Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter Fight Club, nouvelle série qui commence. C'était notre premier test qu'on a filmé. Je me suis dit que j'allais vous présenter le test. C'est quoi Fight Club? C'est une série de parties que vous allez voir tout au long de l'année 2024, où c'est toujours les quatre mêmes decks qui vont être joués. Pour avoir des petites modifications à chaque sortie de série, mais toujours dans la même thématique. Puis c'est les joueurs qui changent. Donc, d'une partie à l'autre, c'est les joueurs qui vont changer. Les joueurs pourraient revenir et pas jouer nécessairement le même deck. Fait que ça va vous permettre de voir les mêmes decks évoluer dans différentes mains, dans différentes circonstances. Je trouvais que c'était une idée intéressante à vous partager. Les quatre decks ont été bâtis dans la même idéologie que mon Citis. C'est-à-dire, ce sont des decks qui doivent être simples à piloter. Parce que, à peu près tout le monde, monsieur tout le monde, qui a une base de Magic est supposé être capable de les jouer. Ce sont des cartes qui doivent, des decks qui doivent être le fun à jouer, hein, évidemment. Puis des decks qui doivent rester relativement abordables. Au moment de la création de chacun d'entre eux, il n'y avait pas une carte en haut de 20$. Ceci étant dit, depuis le temps, il y a certaines cartes qui peuvent avoir fluctué, puis il y a peut-être certaines versions de cartes que je me suis permis de mettre qui pourraient valoir plus de 20$, mais il y a une version moins dispendieuse que vous pourriez remplacer. Je voulais également avoir une diversité de couleurs et un style de jeu différent pour chacun d'entre eux. Je veux remercier tout le monde qui ont participé à la création de cette série-là. Alex, Marc-André, Gino, François, Phil, Sylvain. Je vous en ai parlé, vous m'avez partagé vos inputs, c'était super intéressant. Je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un. Puis, bien évidemment, nos cobayes du premier épisode, Phil, Guillaume, Ludo et Sylvain, qui vont s'affronter. Donc, les quatre decks, je vous présente ça. Puis, pour chaque deck, vous voyez à l'écran, j'ai fait un petit carton que vous voyez, ils sont derrière moi d'ailleurs, ils sont. Je me tasse comme ça, sont juste ici. J'ai fait des petits cartons qui donnent un petit peu l'idée comment le deck joue. C'est quoi l'objectif du deck? Hein? L'introduction, le développement, la conclusion. Citis que vous connaissez, qui est un Celestia enchantement Tron. Donc, on veut booster Citis, attaquer avec Citis. Ensuite, on a l'Atril, qui est peut-être un plus classique tribal elf. On peut gagner la partie avec l'habilité de la trine, on peut gagner la partie avec Throne of the God Pharaoh, on veut mettre beaucoup d'elfes en jeu. Vert noir, tribal, évidemment. Ensuite, on a Joyra, qui est un deck d'artefacts en Izzet bleu et rouge. Artefact slash véhicule. Joyra veut générer de la value, veut piger énormément de cartes à chaque fois que tu vas jouer une carte légendaire ou un artefact que tu vas piger, tu veux remplir ta main, tu veux réduire le coût de tes artefacts au maximum pour avoir un immense board. Puis ben, quelques façons de gagner, Ingenious Artilleriste si tes adversaires sont assez bas, Cyberdrive Awakener si tu as beaucoup d'artefacts pour les transformer, lancer une attaque. Ou bien essayer de faire le combo Reaver Titan et Cyberman. Que j'espère qu'on va voir au moins une fois dans cette série-là. Et pour finir, on a Burakos Party Leader et Folk Hero, qui est un Party Deck Live Gain en Orzhov, donc en noir et blanc. On veut gagner beaucoup de points de vie, drainer nos adversaires et profiter du Party Mécanique pour ramper avec Burakos. C'est les quatre decks que j'ai conçus. C'est la première version de chacun d'entre eux. On va voir au fil des parties comment ça va aller. Le but, c'est d'échanger le moins possible durant l'année. Puis, ben, si c'est une série que vous aimez, faites-la. Ben, on pourrait revenir avec peut-être des modifications ou de nouveaux commanders après la première année. On va voir, évidemment. J'ai ça avec tout dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Donc, S'affronte pour la première fois Guillaume qui joue. La première fois que vous voyez Guillaume qui va jouer Enchanted Cities the Harvest End. Voici sa main de départ, Daybreak Coronet, Forêt, Winds of Abaddon, Mantle of the Ancient, Sage Reverie, Sun Petal Grove et une plaine. Ensuite, on a Phil qui joue Elven Army.
commencer la partie avec Exsanguinate, Forêt, Marwyn, Elemental Bound, Overgrown Tomb, Swamp et Mulligané, un Elven Chorus. On a Sylvain qui joue Mechanical, Joyra. Il commence sa main avec avec Blasphème au Sac, Mountain, Island, Fellwar Stone, Eternium Sculptor, Shaili et Cultivator Caravan. Et finalement, Ludo qui joue le D&D Party deck avec Burakos. Il a commencé avec Todd Vessel, Draenor's Emissary, Stroke of Midnight, Mutavolt, Swamp, Path of Ancestry et une plaine. Nos joueurs s'affrontent pour la première fois dans cette série-là, Fight Club. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez des idées, des commentaires et des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous partager ça. En bas, on veut vous lire, on veut savoir ce que vous en pensez. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne partie. Yes! Ça part. Matt, t'es prêt, toi? Oui. Overgrown Tomb. Il faut que je vérifie tout le temps maintenant. Derrière la console, là. Tout va bien. Parfait. Faut que je mette ma carte là, c'est ça? Ouais. Ça, ça fait un gros. À moi. À moi. Là, je vais demander qu'à l'envers, pour me changer. Path of Fenced Street. Tap. Retour. Je vais mettre une montagne, je vais taper un, puis je vais mettre un Goblin Welder. Je vais l'aller en même temps que vous autres. Tap, choose target artifact, a player control, a target artifact card in that player graveyard. If both targets are still legal, is this ability resolved, that player simultanément sacrifie l'artifact et retourne. Ok, fait que tu fais un échange d'artifact finalement avec celui-là qui est en jeu. Puis celui-là qui avait dans son graveyard. Je pense pas. Prochaine soirée. Et on va passer. Tranquille, deck d'aime, ça? Oui. Deux tours, t'as rien. C'est inquiétant. Ouais. Regardez sa main. Même les plaines. Ok, c'est bon. Puis après ça. Parce que la carte dit, je vais jouer mon commander. Ça va être là. Yes! Oh! Ok. Bon, on va y aller. Ben correct. Swamp. Deux. Pour jouer un tas de vaisselle. Puis, je vais dire tour. Tap. Pige. Je vais mettre une île. Je vais taper un bleu plus un colorless. Puis, je vais mettre un Ethereum Sculptor. Un 1-2. Les artefacts que je contrôle coûtent un de moins à jouer. Je vais déclarer mon intention d'attaquer. Et je vais attaquer les elfes tandis qu'il n'y a pas d'elfes. Oh, c'est pas fini ça? Fin de tour. Ouais, c'est pas contre toi. C'est contre les elfes. Non, c'est contre. C'est non, les elfes que tu sais. J'ai compris. Je suis à Underground Stadium, comme l'année pas tour. Ouais. Ça fait 3. Pour Marwyn de Nurture. Et voilà, ça commence. Quand un elf rentre sur Battlefield, sous mon contrôle, je mets +1/+1 counter dessus. Puis je peux la taper pour acheter des verres égales à son power. Fin de tour. Sure. Carry tower. Jouer
Mass Reach. Dans le fond, je vais chercher ma library pour deux. Basic Land. Je les révèle. Puis j'en mets un sur le Battlefield tapé. Puis l'autre dans mes mains. Puis ça va être la fin de mon tour. Oh, oui. Je vais jouer une plaine. Je vais mettre ma plaine en jeu, tapé. Ça fait bien. Je vais payer. Deux. Je vais sortir mon Folk Hero. Mes créatures, mes commanders, en fond, à chaque fois que je casse un créature spell qui partage une créature type avec, je pige une carte. Je peux juste le faire une fois par tour. Et dans le fond, il est tout. Ouais, il est cleric, raw warrior, c'est ça. Je vais me donner un blanc. Je vais jouer pour l'attendant. Chaque fois qu'une autre créature qui arrive en jeu, je gagne une vie. Là, lui, il partage un. Non, mais ton commandant, ouais, ton commandant jeu, il prend une habilité. Ouais, mais je peux scryer avec le. Ah, ok, ouais, ouais, ah, patente ouais. 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 Je pensais que tu parlais du trigger de, ah, de Folk Hero, en fait. Je vais laisser ça là, puis ça va être à toi. Une tap. Zero. Je vais mettre une île. Je vais taper 1 avec un coût réduit de 1, mettre une Fellwall Stone. Je vais taper. Ça, c'est que l'aime que n'a pas l'un qu'on va. Peu importe, je vais taper un vert, un bleu, puis un rouge, 3 mana, puis je vais mettre un cultivateur caravane. C'est une 5-5 qui tape pour un mana de couleur, je peux la crouer pour 3. Je vais. Je vais déclarer mon intention d'attaquer. Et puis je vais envoyer. Ouais. Une 1-1 Goblin Weller chez Ludo. En 1. Et ça va être une fin de tour. Je pensais que c'était sous mon côté, mais non, c'est sous. Ah non, c'est all. C'est payant. Faut que je reste attentif. Très payant. On commence avec une forêt. Ok, ok. Il y en a un qui jouait, ça. Oui. Là, il l'aime finalement, son deck dev. Ouais, tu vas peut-être moins l'aimer tantôt. Oh, tapé 4. Puis je vais faire rentrer la trip. Date of the Hills. Quand t'as rentré sur Battlefield, je vais mettre un +1/+1 counter sur Marwyn. Puis ça va être ça, hein? Ça va être ça. Jouer un Powerground Farmland. Ensuite, pas bon, là. Ouais, ça va partir. Ouais. Hein. Je suis parti avec pas grand chose, mais. Sorti. 5. Mental of the Ancient. Enchante une créature que je contrôle. Quand 46, j'aurais pu en retourner des équipements des auras de mon graveyard. Puis chaque. +1/+1 pour chaque aura attaché à celle-là. Après ça, je. Oui. Tu peux... je gagne un point de vie. 4. Puis ensuite. Moi, je t'ai fait penser à tes triggers. Hein. Ouais. Je vais attaquer avec un 2-3. C'est le vote. Commander. Ouais, comme tu le prennes en net avec 6. Hein. Ah, ok. Oui, puis je prends en net. Ça va être à toi. Hein.
ça avec un noir. Je vais payer un blanc. Je vais une autorité du notre console. Fait que les créatures que vous contrôlez arrivent en jeu tape. Puis quand il y en a une qui arrive en jeu sur votre contrôle. Ouais. Mais non, je vous. Ok, t'es en parle pas, mais j'ai juste là. Je vais gagner une vie. Force of Will. Tap. Ouais, non. Je vais payer 4, je vais jouer Burakos. C'est quoi qu'il fait? Quand il attaque des Fading Players, perd X vie, puis je crée X jeu token. X, c'est le nombre de créatures dans mon party à ce temps. Là, j'ai un party de 2. Je prends une vie. Un party. C'est un vrai party de cas. Bon. J'ai besoin des trésors token. Trésors token, c'est lui que tu dois attaquer. Ah non, c'est lui qui attaque. Ben oui, t'avais raison. Bon. Bon. Regarde en défense, c'est bon. Peut-être toi aussi. Oui. Je me tape. Peach. C'est lui, il faut qu'il attaque. Je vais taper un rouge, un bleu, plus 2. Puis je vais rentrer Joyrock. C'est une 3-3 toutes les fois que je vais caster un historic spell, c'est-à-dire légendaire, saga ou historique. Je vais piger une carte. Mais c'est tranquille quand même. Ah, je supporte pas grand chose. J'ai rien pour Vérifou non plus. Je voulais pas descendre à 5, c'est sur tout ça. J'étais pogné, j'avais assez de laine dans ma main. Fait que... okay. Je suis parti à 6. Bon choix. J'ai passé tôt. Il rentre en jeu tapé. Oui. J'ai gagné une vie, mais j'ai oublié celui du sort la tête d'homme. Celui-là, j'ai pas le choix, mais là, je suis oublié. Pour le tour. Je vais commencer par un et deux et trois pour un Isuri Renegade Leader. Deux, je peux payer un vert et régénérer un autre elfe. Je peux payer 5. Qui donne plus 3 plus 3 trample aux elfes que je contrôle. Ah, je vais taper. Quand tu rentres. Oui, c'est quand même. Oui, ça va être quand même. Ah, cheers sur Marwin, ça va gagner un plus 1 plus 1 counter. On fait to battle. C'est quoi la meilleure chose pour enlever quelque chose de tannant? C'est de tuer le joueur. Ah, bah oui. Fait que je vais envoyer une 2-3 menace chez vous, Guillaume. Ah, quand t'as fait, va marcher. Quand t'as fait du dégât, je vais faire 2 elf warriors. Taper. C'est vrai, taper. Taper, puis je gagne 4 vies. Ouais, c'est pas forcément s'arranger pour le descendre. Ben voyons donc. Ouais, je vais avoir 2 autres triggers ici, fait que je vais mettre 2 autres counters. Qu'est-ce qui tape le plus ses nerfs, le consul, là? Ben, assurément, oui. Assurément, même. Oh, oui. Ben, c'est parce que non seulement nos créatures est tapé, mais il se fait des points de vie à tous les fois. Moi, je te dirais. ça. Ça fait pour 4. Je vais be sweating ton alternative de console. Oh, ouais. Mm-hmm. Ah oui, excusez. Fait que là, j'ai un petit 3-3. Mais vrai. Hein? Puis j'ai un floating, je vais taper mes 2 derniers. C'est lui qui l'a. Ouais, ouais, ah ouais, je yes. Puis je vais casser un Elemental Bond aussi, je vais passer droit. Fait que là, une créature qui vient d'arriver en jeu, je gagne une vie. Ça, c'est un tour de deck death. Ouais. Générateur de token. Un élémentaire de oui. Je suis pas être sûr, là. Regenerate, non? Oui. C'est quand les damages se deal, right? Mm-hmm. Mettons, j'attaquais avec la drill, ouais. Qu'elle se prendrait du dégât qui a tué. Ouais. Je peux payer 1, ouais. Puis elle meurt pas. Exact. Ok, cool. C'est aussi fort que ça. Excuse. 1-1. J'ai une 1-1, une 3-3, une 1-2. Je vais attaquer Phil.
Draco, c'est combien? 2-4. Okay. On va jouer un vent de l'abandon. Un overload. Ah, oh, ok, c'est ça. Ben, on exile toutes les créatures. Puis vous pigez un. Cherche ton library pour un basic land. Pour chaque créature. Ouais. Je vais en baiser pour mon bord. Guillaume, allé chercher ton basé? Ah non, c'est un basé, c'est pas pigé. Une chance, tu me vois plutôt. Hey. Ah mais c'est ton deck que Mathieu il aime le moins. C'est lui qui est moins beau l'aime. C'est seulement. Il arrive à gagner. Il arrive à jouer à Mandar tout à l'heure. Toi, tu ne perds pas ton 6, c'est one-sided. Ouais, c'est overload. Fait que t'es quand même gardé ton. Ah, fait qu'il ne va pas s'en chercher, lui. Non, c'est rien cherché. Non, effectivement, tu le gardais, c'est les autres. C'est les affaires. C'est le target, là. Ah, ben, yeah. C'est encore mieux. C'est mieux aussi, c'est très fier. Il méchant. Merci. Fait qu'il était tapé, il y avait plus de chance. Tapé. Ouais, il n'y a pas de musique, genre, sinon. Ben, j'ai rampé. Cool. Je peux me faire maudit, je t'ai cherché 5 lèvres. Oh, bah oui, tu peux couper le game ici. C'est là que t'avais besoin. Et là. C'est à ton tour. À mon tour? Ouais, mon gars. T'en as assez fait. Ouais. La beast aussi est morte pour le dos. Ah, je peux aller me chercher. Merci, Mathieu. Ah, je pensais qu'il était tout protégé de ça. On va le chercher quand même. Malade? Oui, pour ton bise with him. Ah, ouais. Ça cherchait un autre son. Il est beast. J'avais fait un arrangement avec Guillaume, il perdait son commander, je gardais ma bise, mais. Il ne marche pas. Vais-tu recouper Guillaume, s'il te plaît? Merci. Hop, on pitch. Ok, fait que là lui il coûte 6. Ok, ouais. J'ai pas joué mon land tour. Je vais jouer un mutavolt. Après ça, on va y aller pour Purakos. Ok, bon, c'est un check-up. On va recasser le commander. Et là, on a le choix à faire. On va payer 3. Un noir, un blanc, puis un. Oui. Thranos Emissary. 2-2, flying. Chaque début d'upkeep, de mes upkeep, vous perdez un, je gagne un. Là, lui partage de quoi avec un creature type avec mon commandant. Fait que je vais commencer par scryer un. C'est là. Puis là, je vais la piger. Puis je vais dire tour. Alright. Étape. C'est quoi qu'il partage avec ton commandant? Non, parce que lui, il est tout. C'est tout. Il est tout cleric, rogue warrior. Partage, hein? La partage. Transformer. Tu ménages. Ok. On va payer. C'est 7 et 8. Oh boy. Je vais rentrer un. Oh. Graz Unstoppable Juggernaut. J'espère avoir un land, mais bon.
C'est une 7-5. Les Juggernauts que je contrôle attaquent chaque tour si possible. Juggernaut ne peut pas être contrôlé par des walls. Juggernaut, tu contrôles. Ok, c'est ça. Les autres créatures que je contrôle ont un base and power de 5-3 et sont des Juggernauts en addition. Chaque autre type. Fait que donc, si je comprends bien, elle devient créature Juggernaut 5-3. Ouais, non, c'est pas une créature encore. Ok, c'est ça. C'est si elle devient une créature. C'est si je la crois. Okay. C'est ça. Alright. Bento, t'aurais pu la crouer. Ouais, sauf qu'elle t'a pu, moi, c'est ça. J'aurais pu. Mais en fait, je te garantis que j'aurais eu un autre lens. C'est ce qui serait arrivé. Et c'est toi qui serais arrivé. Non. Mais t'as été chanceux, j'ai pas eu d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ramener la trille. Puis on va passer là-dessus. Oui, j'ai juste dit ça parce que t'avais l'air à tenir qu'il devienne un Juggernaut. Ben oui, parce que je voulais aller devoir tenir pour ça. Bon. Parfait. Rien dans le fond. Non, tellement rien. Deux. Trois. C'était Sand Champion. Ouais. Faut que je sais pas. Ça pige. Mais il a pas l'air d'avoir. Il va pisser à côté. Moi, ouais, non, mais il va pisser à côté. Là. Mm. Il y en a deux qui je vais pisser. Là. Quand ça passe, toi, tu piges. Toi, tu fais. Finalement, je me pige pas. Non, je pige pas. Ben oui, avec ça, tu piges. T'as quand j'ai pigé. J'ai beaucoup de 3 power et plus, moi. Ça va venir. Non, là, pas avec ce que j'ai dans les mains. C'est quand que je pige? Oh, là, j'en pige une par tour. Une par tour. Et une de plus que moi. Je vais jouer Daybreak Coronet sur 6. Là, compteur. C'est ça. J'ai une carte. J'ai une carte. Tu gagnes un point. Ouais, deux cartes. Ouais. Bon, c'est où la deuxième? Celle-là? Ouais. Ah ben oui. Merci. Pas trop. On est là pour s'entraîner. Manger des attaques de 6. Quand elle constitue. Je vais jouer Rancor. Ça va fesser. Gagner, pige. En fait, je pige deux. Ouais. Gagner, ça. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais aller. Tout est Juggernaut, j'aime pas, mais ça. Ouais, il est juste un. Ouais, ouais. Là. Là. Il est juste un. Potentiel 2. Mais de toute façon, je l'ai avoué haut et fort. Où est-ce qu'il est? Ah, mais ça a peut-être changé. Si je peux remettre ça à la table, que ça n'a pas changé. C'est où qu'il est? Là. Ah, oh, ouais. Pour chaque aura. Coûte moins cher le gaz. Ouais, c'est ça. Écoute, Ludo, c'est toi qui as le plus de points de vie. Fait que je vais aller sur toi. Fait que dans le fond, ça fait plus 3, plus 3. Plus 3, plus 3, encore une fois, ça fait 6. Ouais, plus 2, plus 0, ça fait 8. 8, 6, ça fait 9, 8. 9. 9, 8, first strike, vigilance, life link. Prends pas. Prends pas, mais. 9, je vais le prendre. Et boy. Bon, là, t'es rendu au même niveau que nous autres. Là, ça se peut que ça change. Là, j'ai mangé une date. Oh, ok, puis tu gagnes l'hiver en plus. Ouais, là. Ah, check bien, il respectera pas ce qu'il dit. Non, je vais respecter. Je vais respecter. Non, t'es pas obligé. C'est moi qui vais se faire rentrer. Un tour. C'est à toi le dos. T'es pas obligé. Ouais. T'es pas obligé. C'est bien, moi, je t'en tiendrai pas rigueur. Non, par.
Commencer avec 1 pour jouer un Sol Ring. On va commencer, Matt. Ça. Ah, c'est ça qui fuck la patente. C'est ce qui fuck la patente. En direct. Non, je pense pas en direct. Bon, je sais pas. Non. Ok. Payer 3, tu viens avec lui. Je vais jouer Harper Recruiter. Une Flying 3-1. Quand il arrive en jeu, je regarde le top 4 cartes de ma librairie. Puis je peux mettre. Je révèle les Cleric, Rogue, Warrior, Wizard que je mets dans mes mains. Je mets le reste dans le bottom. Fait que je regarde le top 4. C'est quand qu'il attaque, hein? C'est quand qu'il attaque? Quand qu'il attaque. Oui. Ah, ben oui, t'avais raison. Ah! Ouais, moi aussi, je pensais que c'était quand qu'il arrive en jeu, mais. Ouais. Pas mal moins bon. Chaque fois qu'il attaque, il est. T'attaques deux fois, ça va être meilleur. Je vais jouer ça. Ouais, excusez. Nalia. The Harness. Fait que je peux regarder le top 4 de ma librairie en tout temps. Je peux casser des Cleric, Rogue, Warrior, Wizard, stop. Puis au début de combat de mon tour, si j'ai full party comme là, je mets des plus 1 sur toutes mes créatures. Puis on dead touch jusqu'à la fin du tour. Fait que là, elle partage de quoi. Je l'avais oublié pour lui. Mais... Fait que je vais piger ma carte. Puis ça, ça. Moi, après ça... Le Juggernaut, ça vient ici, mais je voudrais pas. Le 7, le 12 qui s'en vient ici. Pourquoi 12? Ben, je doutais que les Juggernauts s'en viennent ici. Moi, j'en ai juste un. Mais. Non, lui, je suis pas obligé. Guillaume, je vais détruire ton online permanent. Tu vas créer un White Human Creature Token. Oui. Stroke of Midnight. Ouh. Ça. Il passe dessus? Ouais. Fait que ça, quand je le mets dans le graveyard, ça revient dans mes mains. Le Rancor, ouais. Ouais. Malheureusement. Maintenant, phase de combat. Pas le choix d'y aller vers toi, Guillaume. Ouais. Fait que ça peut pas attaquer. Ben, phase de combat, je mettais plus 1 sur tout. J'avais full party. Je vais t'attaquer, Guillaume. Avec. Le Kurako, c'est 3-5. Toi, t'es. Oh, tu bloques le 4, ok. Ouais. On peut splitter les attaques. Ça fait partie des ouais. Options que tu peux avoir dans le jeu. Ok. Ah, mais c'est. Non, ça va tout de Guillaume. Guillaume, je t'attaque de ça. Avec les deux. Alors, on va commencer son trigger. Quand il attaque des Fending Player, il perd 4 vies. 4 étant le nombre de créatures dans mon party. J'ai 4. Moi, je crée 4 trésors. C'est ça. Moi, je crée 4 trésors. Ça, c'est une 3-3 flying. Ouais, 3-3 flying. Ça, c'est juste une 3-5 au sol. Et tu perds 6. C'est bien ça. Ouais, 3 commander damage. Commander damage. Ça, c'était. C'est toi, hein? C'est pas plus là. Le 2, c'est toi. Le 2, c'est toi. Tu vas avoir le beau mot. Yes. Je pense que ça complète mon tour. Tu sais, ça fait la chose, là. Je vais faire ça. Je pige. Ah, puis là, je peux regarder le top. Je vais Jouer un mec Engar.
un land que je peux taper, que je peux donner un land de n'importe quelle couleur, mais juste pour les véhicules ou les pilotes. Je peux taper 3, le taper, puis le target. Le véhicule become un artefact créature. Ok, fait que donc j'ai pas besoin de crouer. Puis ça peut me donner colorless. Je vais passer en phase d'attaque. Je vais tenir ma parole et envoyer 7-5 chez Ludo. Je vais payer un rouge et jouer à mon copain. Ah non! C'est un sacrifice pour mon parti. Là, pas de réponse de mon bord. Moi non plus, pas de réponse. Fait que 13 dommages à toutes les créatures. Oh. Comment ça va être fun? Ici, ben. Non! Garde donc qui parle. 1, 2, 4. Ok. Bon, je calcule mes choses comme il faut. Je vais taper un blanc, un bleu, un colorless, deux colorless, trois colorless et quatre. Je vais rentrer. Ça, deux. Je vais taper un bleu et un rouge pour rentrer Saïli. Commandant, je vais leur mettre pour les auditeurs. Ici. Puis Saïli. Saïli, c'est une 2-2. Je peux taper un rouge, un bleu, la taper pour créer un token d'un artefact ou une créature que je contrôle. Sauf que l'artefact, c'est une addition aux autres types. Il gagne Ace, puis je le sacrifie au beginning of the next end step. Donc à la fin de mon tour, je le sacrifie. C'est une fin de tour. Comment? Jouer un historic spell. Ben oui. Ah ben oui, c'est vrai, c'est l'historique, merci. J'avais dans ma tête que c'était juste les artefacts. J'ai un Darkboard Pathway. J'ai du coup, chaise. Oui. Et un. Il y a des complexes. Deux. Et quatre. Un Elven Chorus. Oh. Je peux top card de ma librairie anytime. Je peux casser Creature Spell du top. Les créatures, je contrôle, ils deviennent des dorks. Regardez les top cards. Allez, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on tape out. C'est reparti. La trille, c'est comme back. On ramène la trille. As-tu une fin d'eau? Je connais, c'est les commandants qui coûtent cher, là. Détruit avec. Ah, oh, blasphémus, ça. Ouais. Je voulais pas l'utiliser tout de suite, mais t'étais trop parti. Là, c'est, faire des plus un compteur là, sur 5, 6, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, c'était trop intense. Petit tour. J'ai pas du chèque pour me protéger. Ce que j'aime, c'est que j'ai réussi à tenir ma promesse, mais ça a pas trop eu d'impact. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tenu ma promesse. Oui. Songbird Blessing. Avec l'attaque, je peux révéler une carte jusqu'à ben, je peux une aura. Je peux la mettre Yumi sur le battlefield. Sinon, je la mets dans mes mains. J'ai cast un enchantement. Fait que je peux une carte. Merci. C'est à moi. Yes. Allons-y. Le mana. Le mana. Plus beaucoup de cartes. Que de l'homme. Après ça, on va payer 8. 8. 1, 2, 3. 8 à vol, puis attaque au pot. 4. 5, 6. Et 7, 8. Oh! Vu à cause, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, je vais leur péter au prochain tour. Voyons, voyons. Après ça, on va payer 2. Ouais, 2 de même. Puis, je vais ça. À chaque fois qu'un opposant qui mange du combat damage, si ça a été fait par un warrior, je pige une carte, je perds une vie. Okay. Je vais jouer des warriors, ça, de la trille, c'est un noble. Un noble. Ah. Non, mais, il me par exemple, il semble qu'il crée des ailes. Les tokens, c'est des warriors. Ouais, c'est ça, c'est des ailes pour warriors. Fait que je vais scryer un. Je vais mettre ça en bas. Je vais piger ma carte. Je vais payer 4. Je vais Grim Hireling. D'autres trésors. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a des créatures qui font du combat damage à des opposants. Des créatures que je contrôle, je crée 2 trésors. Je peux payer 1 noir pour sacrifier X trésors. Je fais moins X à une créature. Mais je peux juste le faire un sorcery. Puis, je pense que ça complète mon tour. Pas pire tour. Hein? Pas pire tour. C'est pas prêt pour bien, boys. Hein? Je vais faire. Ah ouais? Non. Non. On tape. Je pige. Ah. Ça donne. Pas en direct. Ah, pas en direct. Je vais jouer un exotique. Encore. Comment tu t'as? Je me suis dit ça. Ouais. Par Lindor. Lindor. Une grosse commande. Ok. Je vais payer un bleu. Attention à ce que tu fais. Avec un colorless, 2 colorless, un mana de n'importe quelle couleur. Je vais rentrer Padim. Fait que tous mes artefacts qu'on explose au début de mon upkeep, si je contrôle l'artefact qui est le plus haut casting cost, je vais piger une 4. Je rentre en jeu, ça trigger, tu auras. Je vais piger. Je vais payer un bleu. 2 colorless. Je vais rentrer Sai Master Doctoris. Quand je casse un artefact spell, je crée un Doctor qui est flying. Je peux taper un colorless et un bleu. Ça fait 2 artefacts pour piger une carte. Ça trigger encore Jaira pour piger. Je vais taper Jaira pour couer mon cultivateur. C'est-tu c'est combien là? Il y a un 2. Ok. Fait que je l'ai quand même l'intention d'attaquer, je vais envoyer une 5-5. Ah! Je vais prendre 5-5. Explode. Et sur ce, ça va être la fin de mon tour. C'est là que la trille part. Ouais, je sais pas, ça dépend de ce qui est set. Il l'a collé. Ah, c'est parti. On peut jouer au jeu. On peut jouer au jeu. Ok. Un noir et vert. Pour Priest of Titania. C'est un dork. Le papier d'orc. Oui, chacun sur Battlefield. Je regarde les top cards de Melbury avec Elden Course. C'est fini, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est plaisant. Seigneur. Fin de tour. Pathétique, ben non. Ok. Oh, Yon, 2. Yon donc. Ben, tu peux pas bloquer, t'es seul, tu peux pas bloquer, j'ai une menace. Ah. C'est une bonne raison. Pas deux elfes. Ça c'était Phil, ça? Ouais. Ouais. Le fin de tour de. Oh, deux warriors.
T'en pas. Hey, ça c'est bon des Warriors qui font du damage. Ouais, mais ils en ont pas fait encore. Là, on se calme, c'est Wrath of God, c'est Damnation, c'est. Tu fais ça. Pourquoi là? Ça va. Okay. Ouais, j'ai pas indestructible encore. Mettre ça, un petit tour hors la période. En fond, je peux payer un colorless, un blanc, le taper pour retourner un enchantement de mon graveyard sur le top de mon library. Et un. Le blanc. Quand je caste un enchantement spell, je peux piger une carte. Merci. Mais. Ça veut dire gros board, t'es bon? Pas tant que ça, c'est pas grand chose. J'ai une carte, 1, 4, 2, 2, 3. C'est tout des petits 1. Wow. Yep. Je vais jouer Ombre d'ours. Après tout, c'est en français, là. Oui. Bear Umbra. Fait que je vais jouer 6. Plus 2, plus 2, puis à chaque fois qu'elle attaque, je détape mes laines. Regarde, je suis en 3, plus 6. Ouais. Merci. Non, actually, je vais répondre à ça. Oh! Ouais. T'as ça? Ouais. Donc, je vais Assassin's Trophy 6. Oh, oh, il est tout piqué, je pense. Oh, oh, Ludo, il a brisé la machine. Ouais. Ludo répare les machines. Ah, oh. Ludo répare les machines. Okay. On appelle que tu peux chercher un basic land. Le petit fait que ça y va. Ça commande de l'autre. Ok, je comprends, ça fait ça. Ouais, ça fait ça. Green Gazo. Ouais, ça va dans ton grave. Okay. Ah, avant le totem armor. Ouais, tu vois, le indestructible token. tu me dis un. Surtout que j'ai joué en masse ce deck-là, je sais ce que il laissait ça. Là, il peut aller rechercher son Mantle of the Ancient avec cette affaire-là. Je veux dire. Il est pas tapé. Ouais, il est pas tapé. C'est ça, je... Non, c'est ça. Il met en jeu, mais il est pas tapé. T'es sûr que tu veux lui donner un land pas tapé? Qu'est-ce que t'as fait, Guillaume, là? J'ai échappé une carte. Commence des cartes. Là. C'est ça? T'es en train de side-decker, là. C'est ça. Ok. Ouais. Là, ça s'est rendu à 2. Comment ça a coûté cher? Ça, ça m'a... Ça, je l'ai casté. Mais ça, ouais. Fait que je pouvais piger une carte. Ouais, le cast, il passe juste pas, hein. Il n'y a pas de cast trigger quand tu as plus tard. Ouais, il l'a casté pareil. Il l'a casté pareil. Ouais, ok. Je fais 4. Ça aurait été quand tu as spell, le casting n'aurait pas eu lieu. Ah ouais? Ah, parce que tu contre le cast. Mais ma créature, je me trompe. Est-ce que je me trompe là? Non. Nat, ça va nous dire. Counter spell, je m'en assure. Non, counter spell, les podcasts. C'est ça. Je peux. Ça va être à toi. Podcast. C'est triste, ça. En tape. Je l'ai joué plus juste le deck. Je sais comment ça fonctionne. You're raw. Oh. Oh. Donc. End drop. Après, j'ai Warrior, Rogue, quelque chose. Je vais amener Mutavolt. Ici. Je veux pas réattaquer Guillaume encore. Non, bon. Là, tu sais quoi, ça dit 1-1. Pas que de 1. Oh non, non, t'es trop fort, toi. Ben, tu vas me le tuer. Tu fais 4? Non. Ben, non. J'ai une 1-4 là, une 1-4 là, puis une 2-2 là. Ouais, je fais 4. Fait que tu fais 4. Oui, je fais même pas une, moi. Oui. Ah, oui, je suis en train. Ouais.
Mais je tuerais le tien, puis il coûterait beaucoup cher. Tu viens de me donner l'idée. Là. Ouais, non, ça pourrait être tard. Mais au pire, tu vas créer une copie. Je peux. Tu peux créer une copie de. Non, non, parce que ça va être légendaire. Puis elle est. Tu es encore créature? Non, elle l'est plus. J'aurais pu créer une copie de. Ouais. Mais il n'est pas. Ben, c'est un je peux créer une copie de celle-là. C'est pas toi que je vais attaquer, non. Je vais attaquer Phil, je pense. Lui, il y a un power de 3 sur la table, Phil. Mm-hmm. Ils sont pas boostés encore. Non. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas personne qui t'a rendu visite. Pas là. Je suis pas en maison. Oh, non, mais il n'est pas là. Celui-là, je vais le laisser ici. Fait que je vais t'attaquer ici. Chez nous. Je vais t'attaquer avec ça. J'ai full party, fait que tu vas perdre 4. Ok. Ça. Il n'y a pas trample. Non, il n'y a pas trample. Puis, c'est pas mal ça. Mettre un elf devant. Non, c'est chaud. Ça a fini là. Fait qu'il n'y a pas fait de dégâts. Du deal combat damage. Non, c'est les opposants. Deal combat damage to a player. J'aurais fallu que j'en envoie plus. Bon, fait que je pense que ça complète mon tour, ça. Impressionnant. Un tour? Ouais, complète mon tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un artefact qui a un mana value de plus que 3? No. Non. Non? Ok. Fait que ça va. Trigger. Padding. Fait qu'avec Padding, je vais piger. Et je vais piger ma carte du tour. Tout le monde nous voit avec les mains en dessous. Pas de commandite gratis. Je vais. Tout sera plus. Le man à poc. C'est terminé. Ton compte est terminé. Je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais rentrer Panoptech Spider. C'est une 4-4 flying. Quand un autre artefact créature ou véhicule rentre sur Battlefield, je pige une carte. Fait que ça va triggerer ça et qui va me faire un topter. Que j'ai assurément ici. Et ça va triggerer. C'est le lecteur. Ouais. Non, pas le pocket lecteur. Ça va triggerer. Joyra. Ok, c'est un autre cas. La carte ou la carte de Star Wars? Non, les sont durs à avoir. Ouais, c'est un Universe Beyond. Ouais. C'était dans des pre-con, fait que les gens. Souvent, ils vendent pas. Ouais. Je vais. Caster deux colorless pour mettre un. Canaptex Spider, c'est juste dans. Helm of Awakening. Ouais. Pour l'insecte. Ouais. Les spells. Ah! Mais ça, c'est pour tout le monde. Ouais, ah oui? C'est pour tout le monde. Ouais. Les spells coûtent tout un de moins. Ah, merci. Ça fait plaisir. Ah, parce que c'est pas spell, c'est une carte. Je pige une autre carte avec Joyra. Puis je vais mettre un autre topter. Ouais. Ils sont toxiques. Ils sont tous séquences, ce truc. Un autre topter. Je vais piger avec. Pas ça, je voulais. Why? J'ai casté 1 avec le mana réduit de Helm of Awakening, puis je vais mettre un Mind Stone. Fait que ça va. Stone. Un peu. Tout explose. Là, je pense que des torteurs. Y'en a plus. Fait que je vais enlever lui, puis je vais être rendu à 3. Tu peux faire créer. Ça va me triggerer ça. Ça, c'est fait.
Ça, c'est correct. Ah, tu as rendu ton Mindstone? Ah, il était là. Ouais, okay. Je suis sorti avec le manger. Fait que j'en pige avec Chaya. Non, tu es content. T'es bizarre. T'es pas content de ce que tu piges. Moi, je suis pas content parce que je pige pas. C'est une petite différence. Tu peux piger. Ah? En sacrifiant ton Mindstone. Moi, non. Je vais... je vais essayer de le garder. La transition à tous les opposants. Non. Quand tu tapes, c'est each. Ouais, c'est each. Ouais, each opponent. On va partir pour ta petite tour, hein? Alright, bon. Je vais déclarer mon intention de. Ah, je vais faire avant, je vais crouer. Tu vas toquer la dame. Je vais déclarer mon intention d'attaquer. Tu fais trop de trésors tokens, Ludo. Tu fais trop de trésors tokens? Ouais, c'est la seule raison. Faut que je trouve une raison pour attaquer, moi, c'est ça. Et que je t'envoie une 5-5. J'ai le goût de te l'enlever. For it. Mais je veux pas perdre 5 pour ça. Et anyway, je peux même pas te targeter. Non. C'est un artefact. Ouais. On va perdre 5. Padding, ce serait une bonne chose à enlever par contre. Padding? Ouais. Tu mets de next proof à tout, sauf lui. Ouais. Ben juste ben, aux autres artefacts. Artefacts. Ouais, ouais. Mais... ben c'est parce que là, moi, j'hésite entre deux. Parce que lui aussi, là, qui se fait juste avec les un flying. Hein. Ouais. Bien sûr, je l'ai pris le 5. Bientôt. Mais t'as-tu de quoi pour gérer? Non, j'ai rien, Ludo. Je n'ai absolument rien. Nope. C'est assez pathétique, merci. J'ai une réponse. Regardez Kevin Course. Mettre trop de target. Ah. là, par contre. Comme un mouton. À deux bouts de foin. Va mourir. Ah ouais. Fin. Ok. C'est pas quel manger. Plan pour le tour. Non, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais déjà entendu ça. C'est dans le tour, Ludo. Hein? J'ai 3 ans, ouais. Je vais faire 3 mana. Un quatrième, je vais caster un Seedborn Muse from the top. Ah, une de plus. Hein. T'as pas mis la carte. On y pense pendant le tour des autres. Ouais, je vais regarder top card avec Elven Chorus. Là, je te demande qu'est-ce qui est problématique, c'est quoi? Je vais. T'en vois ça? T'en vois? Ah, il va ben, c'est sûr que Seedborn Muse, c'est. Qu'est-ce que c'est, quelque chose. Que quand elle ou un autre préférence, okay, je paye. Peux payer un et une vie. Puis j'ai une carte. Hey, tu me crées-tu que je vais faire ça? Ah, mais quand il meurt. Quand il meurt. Ah! Quand un autre elfe meurt. Peut-être un autre elfe. C'est vrai qu'il y a un elfe finalement. C'est fatigant, ça. Là, t'as pas rien pour. Ici, non? Ben non, puis Colin, j'ai rien pour. La trille, elle passe même pas. Je voudrais bien varger dedans, mais je veux juste se faire dessus. C'est sûr, ça vient de mon bord, ça fait sûr. Alors, je sais faire dessus. La seule place que je peux envoyer la triste, c'est chez Lyon. Ou chez toi, si tu laisses passer, mais je vois pas pourquoi tu laisserais passer. Ouais, c'est ça, c'est quoi mon avantage? Non, mais c'est ça. Hein. Allô, combat, Guillaume. Deux, je suis désolé. Je veux pas m'acharner sur toi, faut que je fasse des elfes. C'est un war, non? C'est un non, c'est pas un war. C'est si ça fait des dégâts à un player ou dès qu'il attaque. C'est combat damage, mais maintenant, c'est sûr que tu peux pas bloquer. Ah, bon, ça règle la question. Là, tu fais 2 calendar. Il va t'avoir. Ouais. C'est quoi le coup de 2? Ah, je suis bien cap, j'aurais dû en envoyer un elf à l'abattoir, je suis bien épais. Bon. Tout bien. Ah, bon, ça aurait pu piger. Ouais, oui. Fin de tour. À ton one tap. Lui aussi. C'est plus permanent en plus, c'est merveilleux. C'est de bonnes news, ouais. T'as fait tes elfes sur le trigger de la tribu? Ouais, oui. Ah, ça fait pitié mon affaire. C'est plus qu'il. Oui, un fable passage. Hey! Ludo party leader. J'avais pas remarqué.
Une, deux. Ok. 6. Je vais jouer. Ça va être une surprise. 6. Attention, la voilà. Si la voilà. Ok, ça. Et tout. J'ai juste pris un respect. Ouais, je peux arrêter de respirer. Non, 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 non. Pas à ce point-là, pas à ce point-là. Ah, mais t'es un de moins. Ouais. Ah, ben oui. Tu aussi, là. Je... Ben, en tout cas, tout, tout était tapé pareil. Là. Il y a un bar. Je vais jouer Rengar. Ouais. 6. Ouais. Je gagne un point de vie. Je pige deux cartes. Ok. Oh oui. Il y a un Arling, c'est pas rien. De quoi? Ça, c'est pas rien. J'attends. J'attends. Pour l'instant, c'est rien. C'est étonnant. Ça, je peux faire ça n'importe quand. Ouais. Et tes souhaits? Merci. Laquelle choisir? Quelle choisir pour? Pour essayer de faire de quoi? Ben, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire, je vais t'aider. Je prends la une, je prends l'autre. Ouais? Ouais. Ah, c'est pas fin ça? Je vais dire la même chose, prends en un, je prends l'autre. J'ai gagné, c'est le top, ça m'aidera pas. Tu sais, c'est quoi que c'est pas bon. Oh, quel rite de transformation. Fait que, quand 40 en jeu, je pige une carte. Ouais, KKL, ouais. C'est ça. En fait, je vais jouer. Allez. Ouais. Ça devient bien. J'ai deux cartes de plus. C'est du gagnant. Ouais. Okay. ça. Mais tu piges à maudit, t'as rien. Comment? Tu piges pis t'as rien. Ouais, mais c'est parce qu'à m'amener. Vite de. Ça va. C'est quand même cher. Ouais. Bon, moi. Ouais, c'est ça. Ça... Pardon. Ben, fin de tour. Ouais. Je vais faire un Path to Exile dessus le Sai. Right. Fait qu'il est Exile. Ah. Ça, c'était Seaborn qui le veille faire. Puis, je vais me chercher un Len, hein. Avec ouais. Ben, tu peux. T'es pas obligé. Tu peux. Ben, je vais y aller. En jeu de la pile. Fait que ça va? Ouais. C'est un basic, hein, je me trompe. Ouais, c'est un basic. Tapez. Je vais pas taper ce Guillaume encore. D'accord. Ils sont clairement en équipe. Même les bons gars, italiens. Parce que si je vais chez vous, je meurs. Si je vais chez vous, je meurs. S'il te plaît. Mm-hmm.
J'ai plus de cartes exilées que de cartes dans mon graveyard. Un noir. Puis un. Je vais détruire. En tout, c'est parce que quand t'as un elfe qui meurt, tu peux piger. Mm-hmm. Ou elle, elle aussi, quand elle meurt, je peux. Bon, je compte encore le laisse une vie, puis je pige une vie. Je vais détruire un. Un topteur. Un topteur, ouais. C'est juste 4, hein, sur le board? 2, 4, ouais. C'est pas dérangeant, je peux pas l'abuser. Non, mais éventuellement, oui. Parce que là, je te dirai. Parce que je peux pas tuer d'elle. Parce que tu vas piger. Tandis que si j'avais pas Seedborn avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, je te suis. Tu vas te rappeler la main, puis après ça, je vais gérer Seedborn, mais il va être déjà trop tard. C'est le flying qu'il faut que je gère en premier. Fait que. Je vais le refaire sur un topteur. T'as pas de sacker 4 pis dans le mid Canaptex Spider. Là. Lui? Ouais, je veux dire, il est gros, là. Je veux dire, moi. Tu sais, c'est parce qu'en moment, je vais les gérer, l'autre. Le 20 est à 30. On t'en équipe, là. Ah, excusez. Ah non, je vais t'en enlever, ouais. Non, j'avais oublié le fait que je venais d'y exiler lui le tour d'après. Ce que je t'arrête de me rendre compte, c'est que vous êtes en équipe de trois. Non, c'est que je veux pas. Tu sais, c'est fort, on veut te ramener pour t'es trop loin, là. Tu viens de coller un peu, là. Mais là, j'ai plus de trésor. Pas tant besoin d'attention. Non. Je peux rester à l'écart un peu, j'ai pas de misère avec ça. Bon, je vais. Sylvain, je vais t'attaquer avec ça, mais là, t'as peu, il y a des affaires qui vont se passer. Là. Ah, je suis les mêmes, oui. Là, je vais. Tu vas perdre. Je vais perdre quoi? 3, puis je vais en créer 3. Parce que j'ai oublié de faire mon mutavote. Ok. Tu vas perdre 3 vies. En raison de. Ah, oh, parce que ma faction a 3 portées, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais payer un noir, ça je peux me donner un noir avec ça. Pour en sacquer 2. Non, c'est en sorcery, je peux même pas. Je vais juste le faire en sorcery. Fait que je viens de perdre Buraco, je pense. Fait que là, t'as une 2-4. C'est une 2-4. Ouais, je vais bloquer avec Kenrit puis un top-top. Ça fait fallait gérer les topteurs. Tu vas prendre le topteur en premier, je suppose. Hein? Oui, bah oui. J'ai mal joué là-dessus, là. Vous m'avez mis de la pression. Yes! Il a paniqué, il a paniqué. Fait que là, c'est quoi, lui, rendu que coûte 7, 2, 4... Attends, t'as enlevé le topteur pis pas... Ah non, tu peux pas... Non, c'est 3. C'est 3. C'est une question, mais c'est une question piège. Il y en a un bon choix et un très mauvais choix. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, ça me donne de quoi en faire avec ma mana. On ressort Buracos. Puis, rendu là, payer 2, on va jouer un talisman en hiérarchie. Puis, j'ai la main vide. Il vous dérange-tu? Sûrement. Moi non plus, il ne l'utilise pas. Son Joyra, par exemple? Ouais, Joyra, et puis... Mais j'ai plus de mana noir. Ah oui, j'ai une mana noir, ça. Ouais, je vais tuer ton Joyra. Après ça, je vais dire tout. Je fais moins 3 mana. Commander, ça? Ouais. Je vais piger un petit peu moins. Pas mal moins, je pige plus. Après, j'ai encore une partout, c'est trop. Ouais. Fait que ça complète mon tour. Pire tour. Je reviens un peu magané. J'ai mal joué, pardon. Comme ça. Ça, ça n'a plus lieu d'être. Je vais piger ma carte du tour. Là, c'est que t'as rien qui te protège. Je sais qui. Je vais.
Je vais payer. Quatre avec un de moins pour un Mirror Work. Quand un autre non-token artefact entre sur le battlefield sous mon contrôle, je peux payer 2. Si je le fais, je crée une copie. Je vais... payer 3. Je vais jouer Joyra Familiar. Okay. The Flying, que Mystic Spell coûte 1 de moins. Et avec Mirror Work, je vais payer 2 pour en faire une copie. Oh, c'est bon. Il me semble que j'ai vu des copies ici. Tiens. Comme ça. Vous avez fait ça dans le même. Et je vais payer 2 colorless. Moins 1 ici, 1 là et 1 là. Pour jouer. Karn Legacy Reforge. Ça se trouve être une créature qui a le Power of Ness du plus gros artefact que j'ai en jeu, qui est en ce moment lui-même ou Mirror Walk, qui est une 5-5. Et au début de mon upkeep, je vais ajouter dans mon pool un colorless pour chaque artefact que je contrôle, mais je peux juste les prendre pour caster des artefacts. À la fin de mon tour, je le perds, cette mana-là. Non, tu le perds pas. Non, si tu ne perds pas entre les steps. Entre les steps, mais à la fin de mon tour, je le perds. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ah, il manquait le début, ouais. On a juste qu'il se faisait mon affaire. Ouais, c'est ça. Je vais maintenant passer en phase attaque. Je peux-tu me servir de eux autres pour crouer? Je suis pas sûr. Oui. Même si on s'abonne avec Sickness? Oui. Fait que je vais prendre Karn pour crouer. Que tu vas avoir caravane. C'est-tu, c'est combien? Hein? C'est juste un Karn qu'elle a. Fait que. Elle a 3-2. 3-2. Guillaume, je vais t'envoyer une 5-5. Crouer, ça requiert pas de. Ok, t'as fait Karn. Ouais, j'ai tapé Karn pour. Je vais bloquer. Alright. Et combien? 0-2. 0-2, ok, c'est bon. Fait tout. Tap keep draw, je vais regarder top card avec Calvin Chorus. Ok, bon, ben, hein. 1-2. Insignet. On va. Coller, là. Coller. Ouais. Mais non. Mais Roman League, moi. C'est toi qui n'es pas collé. Ça fait. C'est plus de mauvais sort. Ok. La triche chez vous, Guillaume. Puis un elfe partout. Un elfe partout. Ouais. Tu veux qu'il meure, l'elfe, hein? Ouais, ouais, il veut piger. Ah oui. Ok. Qu'on est. Je vais. Qu'on est chum. Je vais bloquer avec. Parfait. Oui, tu vas bloquer. Le cœur, ça bloque aussi. Ouais. L'elfe qui meurt. Les menaces. Ouais. Si elle meurt. Si je décide, moi, tu vas piger une carte. Si elle meurt, moi, je vais perdre un de vie. Fait que dans le fond, je vais perdre un de vie pour chaque carte que je vais piger, puis je vais payer de la mana pause. Bon, je vais le bloquer. Cool. Fait que la trêve va passer, fait qu'elle va faire deux autres elfes. Puis ouais. Sur les death triggers, je vais payer 3. 3. Je vais payer 3 de vie aussi. Je vais piger 3, ok. Second main. On regarde les top cards avec Chorus. Ah! C'est horrible. L'enfer. Quoi d'intelligence? Ça mène-tu à quelque chose d'intelligent? Je suis pas sûr. Je paye 1. Je vais Essence Warden. Quand une créature rentre sur Battlefield, gagne 1 de vie. C'est tout. Ah oui, excusez-moi. Essence Warden.
Ah, c'est Seigneur des Anneaux, ça? Ouais. Ça, au début, j'avais comme pas reconnu. Je sais pas, je sais quoi, ce carte-là? En commune. Les elfes avaient besoin de ça. Ça va être une triste fin de tour, je pense fin bien. Tour, je vais sacrifier mon Fable Passage. Je veux pas qu'il te dorme avec une cote. Sur... Il est dort. De ses chansons. Ça. Je vais manger. Ah, j'ai toujours un lens tour aussi, je pense pas. Hein. J'ai tapé. Je peux pas dire. J'ai pas remarqué. Ça me dérange plus. Je pense que j'ai joué. Ça me dérange pas. Il s'étape tout pareil. Ouais. T'es pas un lent près d'après moi. Non, c'est ça. Pas sûr, parce que c'est ça j'ai pigé sur le top. Ouais, c'est ça j'ai pigé sur le top, puis après ça on est allé en combat. C'est mort, fait quoi. S'il te plaît. Ah, mais tu veux mettre ta carte dessus. Payé. Essence. J'ai pigé quoi 3 cartes, j'ai pris 3 cartes. Hein. Essence, ça. Ça. Payé 2, ouais, avec un blanc. Il y a un tapis. Je vais remettre Mantle of the Ancient sur le top. Library. Tour. Ok. Ça, c'est Guillaume ou c'est Latrine? Tour. C'est Joyra. Guillaume Meade. Command Tower. Excusez. Et Guillaume peut venir avec son commander aussi. Oui. Je vais pas mettre protection pour tout. Non, mais mon deck est pas mal essoufflé, je pense. C'est sûr que les deux. Les deux mass removals font mal. Ben oui, ça a tellement. C'était tellement tôt dans le game. 3-4-5, je joue. Ouais. C'est là-dessus. Fait que là. Enchant. Ouais, puis ouais, il retourne. Ouh. Ok. Ouh, ouh, ouh. Je t'oublierai pas de. Ça. Fait que là, le Enchant Creature get +1/+1, ça, ça se fait tout de suite. Fait que dans le fond, là, on aurait +2/+2. C'est +1/+1 pour chaque aura, c'est pas des compteurs. Ouais. Je comprends pas. C'est pas des compteurs, c'est juste. Ouais, c'est des +1/+1. Ah, oui, merci, excuse-moi. Merci, oui, oui, là, je comprends. C'est bon. Après ça, il faut que je pige, je gagne 2, 1 point de vie. Pige une carte. Ouais. Avec Elemental Bombs, hein? Une carte qui est affectée par un Lord, hein? Mettons, c'est une 2-2 à rendre. Ouais. T'as le +1/+1. Ça va après ça. Ça va trigger pour piger. C'est pour ça que je regarde ça, les créatures, c'est des petites affaires. Il n'y a pas plus une carte de tête. Ouais, parce qu'elle rentre en étant 3-3 ou 4-4. Ça, Sunbird Blessing. J'en ai un autre. Ben, mais t'inquiète. Tu es encore qu'il vient de voir? Hein? T'es encore preneur des pour l'attaque? Coronet. Comment? T'es encore preneur pour l'attaque? Bon. Il first strike, puis je lance lifelink 1000-1000. C'est parce qu'il va, m'attaquer une fois, après ça, moi, je vais l'attaquer avec ma gang. Ah, ok. Ça serait à réfléchir. Mais là, il est +5/+5. Il est fort, là. Ouais. Tu fiches des cartes pour tout ce qu'il y a des enchantements qui sont en jeu? Ouais. 3, c'est vrai. Non, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Okay, c'est le return. Ouais. C'est 7 SN, je pense que c'est un peu le battlefield. Ouais, c'est ça. Danger avec Stis, c'est qu'il t'a un bounce de Stis à. Ouais. Ben, tu dis ça. Il peut Eliade encore une fois remettre son mental, piger une carte, ramener tout. Hein. Parce que là, il est pas explos ou rien. Non, il est indestructible. Ouais. Ben, il a tout un armor, en fait. Ouais, c'est un bounce spell. Ouais, ben... Dans ce temps. Ah, là, le temps, je peux pas parce que t'es à la porte. Je vois ça avant. Je t'en donne. J'ai quelque chose comme genre 25 mana, un avoir stupide de même. C'est ridicule. Bon. Après ça, il reste 1, 2, 3, 5.
Il va avoir une règle quand la créature en empiète sur l'autre tapis. Elle tombe à toi. On s'en va. Mettre ça. Une chaîne créature quand elle fait des combat damage. Je vais mettre un basic land. Ça. Bon, après ça, 2-2. J'ai 2-2-2, 1-3-3, 1-2-2 ici. Reflet de la lumière, fait que je vois pas par là. Ouais, je vais déclarer une base d'attaque, j'espère que je fais bonne gaffe. Avec du genre Slifling, c'est quand tu me dis. Là, c'est Philippe qui me fatigue. Fait que moi, je vais aller. Julien! Ouais. Oh oui! Vigilance, life, link, first strike. Ouais, je vais attaquer Philippe avec Citis dans le fond. Vigilance, life, link, first strike. Fait que plus 2, plus 2. Après ça. Plus 3, plus 3, ça fait plus 5, plus 5. Après ça, pour chaque enchantement, j'ai un plus 1, plus 1, fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, plus 11. Avant de déclarer bloqueur, là. Puis là, elle a attaqué, fait qu'il faut que je détape. J'ai peut-être lèvres. Une façon de régler le problème Citis. Mm-hmm. Mais il est trop haut. Il est trop haut. Ouais. Okay. En life. En toughness? Non, je peux remove un joueur. Pour, ok. Ouais. Ok. Mais il est trop haut. Ok. Y'a-tu du monde qui sont capables de le baisser? Ça va déterminer un peu, ça va déterminer un peu mes blocs. Bah, ben, c'est vraiment à mon tour, oui. Le baisser là, non? Là, tu parles là, là? Non, 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 à son tour. Ouais, quand je vais être rendu à mon tour, je vais pouvoir participer à. Okay. Là, il gagne 14 en plus. Shit. Ouais, peut-être plus. Finalement, s'il gagne 14. Sauf qu'il n'est pas tapé. Si on l'attaque, il va bloquer avec. Ah ouais, il va rebloquer. Ouais, mais il va 14. Il est encore là. Ouais, ok, fait que toi, attaque pas. Laisse Sylvain le bande. Clairement, Sylvain, il y a quelque chose. Laisse Sylvain régler le problème. Tu sais. Moi, je peux facilement faire 5, 10, 14. Tu sais, je peux faire 14 juste là sur la table. Ok. Ok. Ouais, je pense qu'on a une solution. Fait que je vais mettre 2 elfes devant. Je vais me prendre 12. 12. Fait que Guillaume, tu prends 14. Je vais payer 2. Puis payer 2 mana aussi. Tu prenais 12 ou 14? T'as pris 4. Non, il y a je paye 2 avec Mira pour toucher 2 cartes. Je vais regarder le top card avec Kevin. Ok, il va faire ça. C'est que je tombe à 16. Mais... Living on the edge ici. Ouf. Yes. Bon, ensuite. Revisit. Il fallait que tu ailles chercher une basic land en jeu de tapis. Ouais. Si. Mais techniquement, tu as ta forêt en même temps. Deal combat damage, ok, fait qu'elle ne sera pas détapée. Forêt. Ouais, forêt. Fait que forêt pas en jeu de tapis. Ouais. Donc, regarde. Hey boy. Taper le dos. On
Ouais. Ensuite. 2. 3. 4. Ça, j'ai mal joué tout à l'heure. J'aurais dû jouer avant. J'étais capable en plus. Donc, Trigger Distance Warden, je gagne un point de vie. En fait, t'aurais gagné. Ça aurait fait mal. Ouais, ouais mais. 3-4 Flying, Lifelink. Pegasus Creature, you control, ils ont Lifelink, c'est ça? Avec à chaque fois. Ben, j'aurais créé 2-2. Oh, c'est la différence que ça aurait fait, ça aurait été ça. Et ensuite. Ça va ressembler à ça. À moi? Dis oui. On va-tu piger un land? On va-tu pas piger un land? Puis on sait plus comment le placer. Le City, ça est-tu targetable? Elle est juste indestructible. Ouais, le Totem Armor. Ouais. Que... Comment t'as dit ça? C'est Totem Armor. Sur Berlinburg. Que le totem en mort, c'est qu'il revient dans ses mains. Non, c'est non, que... Non, qu'il détruit l'enchantement au lieu de la créature. C'est ça. C'est... Ouais. On va amener ça. Faut que tu lui fasses gagner de vie, Ludo. Non. Ben, en tout cas, s'il fait gagner de la vie, il va falloir que Sylvain fasse mal en Calvin pour que moi je sois capable de le finir après. Là, je vais attaquer, moi. Oh. Là, faut que t'attaques moi. Non, non, faut pas que je t'attaque, toi. T'es déjà à 46. Tu m'attaques moi, tu tues tu son archer avec moi, les trésors. Ah oui, tu l'as mis. D'accord. Son archer, c'est un trésor. Tu vas-tu faire 4 trésors puis tuer son archer? Oh, c'est parce que maintenant, ok, lui, vous allez le gérer, mais maintenant, faut que je garde mes trésors. Je vais me retrouver avec vous autres après. Ouais, t'as 1 million de mana avec moi, ça. Non, 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 non. Non, j'embarque pas là-dedans, moi. What? Bon, ben, évidemment. Peut-être des alliés là, mais. Ouais. Hein? Je pense que pour l'instant, c'est sûr que tant longtemps que Guillaume n'est pas joué. Ouais, mais ça, je sais qu'il y a déjà un entente pour s'en débarrasser de lui. Oui. Ouais. Mais c'est ouais, mais justement, tu sais pas dans les pieds de cette entente-là, tu devrais l'aider. C'est à ton avantage. Ah, parce non, mais que la seconde qui décide qu'il vient de voir des morts. Elle est déjà faite. Elle est déjà faite, cette entente-là. Pas. Sauf que tout dépendant de ce que tu fais, ça se peut que tu entends là. Chante. Si tu lui donnes des points de vie. Oh non, non, je l'attaque pas. Okay, okay. Non, 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 mais non, mais non. Mais non, ça, je le sais, je veux pas qu'il tombe à 60. Là, j'envoie une créature. De 1, je perds ma créature, puis de 2, il tombe à 60. Mm-hmm. Fait que, non, non, non. Okay. Non, mais je vais. Je vais juste te baisser un petit peu, Sylvain. Moi, ça? Ouais. Que okay. Ça marche. On va envoyer une 2-4. Une 2-4 qui te fait 4 quand elle attaque, parce que là, j'ai okay. Full party. Je fais 4 trésors. Mais là, je peux la tuer, là, ta créature. Mais tu feras pas ça. Pourquoi? Hey. T'es pas dans l'Alliance. T'as dit que t'étais pas dans l'Alliance. Attends, moi, je serais prêt à faire les médiateurs. Hein? Si tu tues l'archon, tu laisses-tu Burakos vivre? Si tu tues l'archon, oui. Ah, ben non. Mais non, je tuerai pas l'archon. Bon, ben, tu c'est ça que je te dis. Fais attention à ce que tu peux faire, là. Et tu ne donnes pas mes mains, Ludo! Tu perds la force de frappe, là. Laisse ça passer, tout est beau. En même temps, oui, t'as besoin de ces 2 points de vie, là. Ouais, c'est ça. T'en as déjà perdu 4, là. Continue, puis on tombe dans les 20 ensemble pour avoir du fun. Non, mais en fait, sans nécessairement prendre les 2 points de vie, je vais juste bloquer avec la 3-3, puis. Non, mais ben, je voulais te faire du temps. Ok. Non, ben, tu demandes le beurre, puis le pain du beurre, ça marche pas. Ok, c'est bon, je vais accepter ça. Ben, puis après ça, moi. Mais l'archon, pourquoi j'enlèverais l'archon? Ben, c'est parce que. Ça, il gagne la vie? C'est pas rien que parce qu'il gagne la vie. Tantôt, ce qui nous aidait, c'est qu'en bouncing Citis, il tombait Free Passage. Là, il y a un bloqueur. Ouais. C'est sûr que. Si vous bumpez Citis, tout ça, ça s'en va dans le grave. Il va juste se refaire son Hall of Elgod. Ah, non, il va pas le refaire, il va être mort. Ouais, c'est ça. C'est en... Son Hall of Elgod? Non, lui, le joueur. C'est en bouncing à Citis, il n'y a comme plus de protection. Il... Si, c'est tu prends la chance, Citis, ça se fait bouncer. Il n'y a plus rien, c'est fini. Guillaume, il va mourir. Ah, le beau-frère!
Vous allez me faire 46. Ouais, vous allez faire 46, puis là, il va gagner. Non, il va rien gagner. Pourquoi il gagnerait quelque chose? Là, faut que j'y en ai. J'ai l'impression de me faire avoir sur toutes les blancs. Ben non, pourquoi? Ben parce que j'ai bien plus avantage à ce que lui reste dans le game. Ah oui? À 46, il te one shot, t'es mort. Ben j'ai pas 46. Toi, t'as aucune façon. Non, mais avec ton board, quand même de damage. T'as aucune façon. Tu peux même pas passer proche de le tuer. Ça va te prendre 25 tours de trésor pour pouvoir déliter son commander. Mais pour lui, je suis même pas une menace encore. Non. Non, mais t'es pas une menace pour personne. Mais c'est ça l'affaire. C'est que tu le laisses tuer. Oui, mais là, le problème, c'est que si tu le laisses vivre, là. Après ça, toi, t'es fourré. Mais pendant que vous vous acharnez dessus... Oh. Ouais, sauf que dans 3 tours, tu vas être la menace parce qu'il va en avoir bon CR. T'sais, t'as fait 4 tours du top depuis tantôt. Dans 3 tours, il gagne 5 games. Moi, j'essaye ça. Donc, tu restes la même? Ouais. Alright. Mais c'est soit que j'ai 3 tours ou j'en ai pas. Ben, moi, non, tu vas pas mourir. Moi, je pense qu'en étant avec nous autres, t'as eu plus de chance. Ah oui? On verra. Karn va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben oui, je suis à 16 commander damage, j'ai rien qui va. Karn va me faire 8. Faites bien rien. Mana. Fait que je fais. Puis j'ai ma carte du tour. C'était sûr, depuis tantôt je n'avais pas besoin, mais je n'ai plus besoin. Je prends la laine. Bon. On va essayer d'y aller intelligemment. J'ai besoin de... Ok. Je vais payer un. Ah non, c'est là, je peux faire ça en plus. Ok, ça vient de régler mon problème. Je vais prendre les 6 mana. Ah, ok. Je vais prendre 6 mana, puis je vais jouer un. Non, attends, excusez. Je vais prendre 2 bleus, 2 rouges. Là, il me coûte 4 de plus, moins 3. Ça veut dire qu'un autre. Je vais rentrer Jaira. Après ça, je vais prendre les 6. Je gagne un point de vie. J'ai 16, mais c'est moins 1, moins 2, moins 3. Ça veut dire que j'en gagne plus 3, je fais 5. Fait que j'en prends juste 3 finalement. Puis je vais jouer un duplicant. Gagne un point de vie. Comment? Un point de vie. Oh, excusez. D'ailleurs, je... Et la copie du... Oui, je vais payer 2 pour la copie. Ok, gagne un point de vie. Quand elle rentre en jeu, j'imprint un autre token créature. Cette créature-là va être exilée. Puis je vais en faire une copie. Lui, ça va en devenir une copie de elle exilée. Puis l'autre, ça va devenir une copie aussi de la créature exilée. Je vais. Il y en a une que ça va être 6-6. T'exiles 2 créatures dans le fond. Ouais. Ok. Ici. Puis l'autre, ça va être. Ça. T'arrêtes toujours d'entrer dans le plan. Mais t'as pas eu là, il y a peut-être une réponse. C'est ce que j'attends de voir. J'en aurais eu une, mais pas contre ça. Là, ah, c'est ça, je ça croyais que j'en avais une. Ah ouais? Ah, mais bien. J'en ai pas contre ça. Même pas d'héroïque intervention, rien. C'est du Colin de Colorless. Alright. C'est merveilleux ça? Le Rancor dans tes mains. Oui, si, c'est vrai. Je vais ensuite payer. Bon, moi, j'ai 6 trésors. Ça va appliquer. Je vais payer un rouge plus un colorless. Puis je vais jouer un Chaos Warp sur le Archon. Oh, c'est bon ça. Oui, les cartes que je connais, j'ai tendance à y dire. Bien. Fait que ça va dans ta librairie et tu vas tourner la première carte de ta librairie jusqu'à temps que tu peux mettre un permanent, puis le permanent il va arriver sur le battlefield. Lui tu te brosses dans ta librairie. Et okay. Après ça, tu fais là. Si on est chanceux, ça va être un aura.
pensais vraiment avoir une réponse. Fais comme ça, s'il vous plaît. Hein, le bouton. Ouais, t'as dit un lendo, là. Une niaiserie. Ah, mais non! Ah, oh, ben, je t'annonce de quoi tout de suite, Sylvain? Je ne peux pas le tuer. C'est quoi, tu t'allènes en retard? C'est juste attaquer quelqu'un de créature, hein? Colin. Ah, merci. Ok. Wow. Ah. Ça, c'est un bon Chaos Warp, ça. Ah! Nat, veux-tu m'aider pourquoi t'as mis ça dans ce deck-là? Ok. Tu quand tu connais pas les cartes. Fuck, je suis batté, moi. Une heure sur deux. Non! Je vais. Payer un rouge. Hey, tout ça pour ça. Un bleu. Taper Saïli pour faire. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Check mes affaires comme faut. Là, tu peux pas faire une copie de ce que tu as utilisé pour exiler oui. Crée ta token. Target Arthur, Artifact Control, except son artifact en addition. Puis lui, c'est quand il rentre sur le battlefield. La copie en dessous du battlefield. Ouais, une copie sur le battlefield. Mm-hmm. Ah, ok. Fait qu'on est pas spray finalement. Ok, je vais taper un, je vais le taper, je vais créer une copie de duplicate. Ça, c'est. Rentre sur le battlefield. Ok, fait que je peux le refaire encore. Ah, ben, gadon. Alright, fait qu'on va y aller demain. Fait que je vais recréer deux autres copies. Je vais taper. Ça, je pense que je peux. C'est-tu les habilités? Non, je peux juste des spells. Je peux pas prendre des habilités. Ok. Hein? Fait que je vais payer deux. Ben, j'aurais pris cette habilité-là. Mais tu peux prendre les habilités, je pense. C'est comme les Power Stone. This mana can be spent to cast non creature spell. Non artifact spell. Mais c'est comme c'est les Power Stone, les Power Stone. Ok. Bon, fait que je vais prendre les deux qui me restent. Il va me rester un ici. Fait que donc, je vais refaire deux fois du piquant. J'ai encore d'autres. Oui, j'ai deux autres copies. Ils vont passer à la fin du tour. Ouais. Fait que je vais prendre Silent Arbiter. Ah, il vient de gérer ton Silent Arbiter. Jusqu'à la fin du tour. Ouais. Jusqu'à la fin du tour, mais lui, il est fier, le sien. Lui, ah, non, attends, il est exilé, lui. Lui est exilé? Ouais, c'est le mien qui va partir à la fin du tour. Okay. Non, mais. T'exiles avec. Ah, c'est tant aussi longtemps que. Ah oui, c'est ok, ça. C'est ça, c'est tant aussi longtemps ça que. Ça permet d'attaquer, mais après, quand il va partir, le Silent Arbiter revient. Il va revenir, mais je peux quand même. Non, mais attends, mais on. Mais ça. Ouais, mais c'est no même. More, c'est no more. Fait que c'est que tu peux pas plus, tu peux pas plus l'attaquer. Non, effectivement. Ah oui, c'est vrai, mais ça devient une copie. Oui, on n'a pas été smart, là. Mais le duplicant, la créature n'en vient pas. Oui. C'est Exile with Duplicate. Ouais, ah, ok, il met que target non token. Avec l'imprint, ok. Bon, finalement, ça n'a pas. Ouais, finalement, c'est. Ouais, ça au moins, il n'y a plus de bloqueur. Il y a plus de bloqueur. Toute la gang. Il n'y a plus de bloqueur, je peux juste envoyer une. Ouais, t'envoies ta plus grosse. Mais là, t'as un autre duplicant à faire. Ouais. J'ai un autre duplicant à faire, mais ça ne changera pas grand-chose. Tu peux sacrifier de quoi, là? Mais c'est le full party. Ok, c'est même pas par player, c'est juste une qui peut y aller. Ouais, c'est ça. Ça change pas grand chose. Je vais aller prendre. Je vais copier ton commander, mais. Ouais. Ça fera pas grand chose. Ah, oh, il va revenir à la fin du tour, fait que tu fais juste la mettre de côté. Puis... Il sera plus tapé. Hein? Ça, c'est une bonne question, je sais pas. Puis je vais envoyer une. C6, c'est mon plus gros, moi. Moi, ouais, ça. Je vais envoyer une 6-6. Je fais Guillaume. C'est pas que j'aurais pas essayé. Non. Yes. C'est pas casté. Je peux pas y faire plus, je vais y faire deux. C'est une fin tôt. Fait que ça, ça meurt. Ça revient comme ça, c'est ça? Ouais. Ouais, là, ça permet de prendre un tournoi qui va être dur. Ouais, je vais regarder Top Card avec Common Course. Oh. Mais j'aurais dû m'en tenir à tous les fois, je joue Chaos Warp, c'est ça que ça fait. Ça. J'agis pas beaucoup justement à cause de ça. Je pense que ça vient de battre le Chaos Warp à flamme, ça. Un autre tour. Ouais, Silent, ça vient de sauver les fesses. Ouais. Ben, tu vois. Ouais, ça l'a. Combien de dommages tu me faisais, là, mais. Ben, c'est surtout, je pense que c'est surtout. Moi, je peux t'en faire quand même un peu, mais pas de temps. Surtout
Phil après qui était supposé pouvoir. Moi, ça vient de mourir. Ah, ben c'est Phil qui remplit pas son. Ben, je pleure. Son mandat, plus. Là. Ben, comme... ouais, comme moi non plus. Ah. Mon mandat, il était conditionnel, là. Hey, j'ai bien fait de ne pas embarquer dans ton ta mandat. Ton mandat, c'est là. Non, t'aurais dû embarquer parce que si tu détruisais l'archon, il n'y avait pas de Chaos Warp, pas de Chaos Warp, on n'est pas ici. Bon, ben, au combat. La trill, elle va passer. Ce qui menace. Par deux elfes. C'est sûr, ça va te taper. La trill, tu peux attaquer n'importe qui. Il n'y a pas plus qu'une créature qui peut bloquer. Puis il y a menace. Tu peux attaquer qui tu veux. Ouais, mais c'est lui qu'il faut qu'il parie, ça. Ouais, vraiment, d'acharnement, j'aime pas ça, ça. On est pas loin de l'intimidation, c'est la première fois qu'il vient. Tout le monde est tue. Non, mais il est tue parce qu'il était à 38 puis parce qu'à 40. Quand il va revenir au âge normal, là, ça va être cool. Oui, j'amène des nouveaux joueurs. Il voudra plus venir. Ça, je pense. Lui, je le retrouve pas. Non, non, parce que lui, il est pas. Non, c'est ça. Ben, il était pas, ouais, pas il... vraiment sacrifié. C'est ça, il meurt pas à la fin du tour. Tu as fait du combat de damage? Oui. Fait que t'as créé deux trésors. Ah! C'est... Je commence à avoir trop de trigger. Ça, tu l'as plus. Non. Ça, il est plus là. Tu des trésors, tiens, je vais y mettre dessus. Un, deux. Mettre des bottines. Ma... Mathieu, il a pas contribué quand... dans l'idée que je me faisais voler mes créatures. Non, mais c'est vrai. Je vais Jaira, gagner un point de vie. Les tokens que je contrôle, ils ont 4 hâtes d'un verre. C'est tellement malheureux, là. C'est d'une tristesse, hein. Faut juste que j'arrive sur un amputeur. Les bâtiments, ça, c'est de bon. 1, 2, 3. Je sais pas si je veux gérer, mais contre Vaz et Marie, ils se défendent. Quasiment un discours de... Oh, c'est de persévérance. Je suis prêt à gager. Mmh. Tu vas finir par te tuer. Payer ça. Sûr, c'est ça qui va arriver. Je vais mettre... Anyway, mental. Ah, une chance qu'il n'y a pas de haste giving. S'il peut donner haste, ça serait un méchant problème. Fait que là, donc, il faut créer les cartes au maximum. Oh, c'est ça, mon top card. Hé! Hey. T'attendais pas à ça? Non, hein. Mais c'est plat, tu payes jamais de nouvelles cartes. Tu es rendu à ton tap step? Il a fait son tap? Ah, t'es en train de tap? Ouais, excuse-moi. Moi aussi. Ah oui, je l'imagine, c'est juste ça. Oh oui. J'attendais au coding. Ben oui. Il y a quelque chose qui arrivait de quoi de malheureux à Seedborn, même si ça a des bottines. Fait que là, il y a de quoi qui disait que les créatures coûtent un. Ouais, un moins. Un moins. Fait que ça fait 5, 6, 7. Ouais. Donne-moi en 1, Sylvain, s'il te plaît. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer 6. Qui est Moi. Tu me préfères un? Non. Merci. Trois. Merci, Matt. Merci. Cheers. Cinq. Ah, ouais. Ouais. Mine. On est tout. Ah, ouais, t'as remis ça. C'est encore? Oui, ouais. Moi, j'en refais dupliquer le prochain tour. Ah, mais il va le copier. Il va revenir en fin du tour. Mais pendant que ça va être à mon tour, il sera pas là. Ok. Fait là, j'ai gagné exact, un point de tour. Je paye une carte. Sauf s'il donne Exploof. C'est ouais, prix donne Exploof. C'est ça. En fait, si t'es capable de. Ça, je le dis. Oh, mais il y a un Ok, good. Moi, je pense que c'est le deuxième lane qu'il a mis. Ok. Je pense que c'est chiant. Tu veux te couper, s'il te plaît. Bon, celui-là. Ok. Je vais peut-être pas faire le temps dans ce cas-là. Fait que tu mettes ton Rancor, tu vas voir, par exemple. Comment tu dis ça? Fait que tu mettes ton Rancor, tu vas voir, par exemple. Attends, mais là.
On a le fun d'avoir des bonnes mains. Hein. Une petite carte. Hein. Ça, ok, à chaque fois que tu casses le coup. Ouais, à chaque fois que je casse un autre token artefact, à chaque fois qu'il rentre sur le battlefield, je peux payer deux. Je vais mettre des fiches. Alpha autocrité. Ah, oh, non-token. Oh! Quand tu fais le token, tu peux pas. Quelqu'un qui a une réponse à ça? Je pouvais pas le faire avec ça tantôt. As Xproof? Ben, moi, j'ai pas de réponse. Quelqu'un qui a une réponse, il va lui donner Xproof. Non. Non, je sais pas. Non. Ça va sonner la fin des glottes. Tu peux pas déclarer de phase d'attaque, par exemple. Tu peux attaquer que t'as un 5. Hein, t'as pas attaqué que t'as un sang? Ah oui, t'as bien passé. T'as moi? Ouais. Là, là, par exemple, j'ai tout. Pas chiffre. Hein. En tout cas. Trop tard. Quand tu sais pas, je vais le deck. T'as mal tapé? Mais. En tout cas. On me tape. J'essaie de pas trop parler. On me tape, vite. Oh, je. Ah, oh, man. Pas de façon de m'amuser de ma seedboard, malheureusement. Ah, ouais. Je pense que c'est quand j'ai joué celle-là. Moi, il y a je pogne pas de créature, je suis top de la je pige pas avec Elemental Bond. Ah, ben là, tu peux te faire d'autres choses. Non, non, non. Ah, c'est ça, c'est si j'attaque. Ouais, mais je l'attaquerai pas, il va encore se build. Ah non, faut pas attaquer. Non. Si on l'attaque, c'est parce que c'est plus là. Parce que sinon, il va gagner 1 million de points de vie puis il est plus tuable. Ouais, ouais, je pense que là, ça va. Non, c'est... ça va être dur. Tantôt, c'était le temps. Tantôt, c'était le temps. Ouais. C'est lui qui a pas rempli son accord. Non. Ben, il a pas rempli la sienne non plus. Lui, il a pas pu. J'ai pas pu, mais si tu avais fait ça, j'aurais pas eu besoin de faire Curse Warp. Je veux juste dire que si ça, ça revient sur mon contrôle, là, je peux faire -5/-5 à ça. Moi, je vais pouvoir. Là, t'as juste deux trésors. Pour l'instant. Ah. Ah. Bon, ça. Ah. Ça reste qu'il y a un bloqueur littéralement de killable. Que c'est on va prendre un autre tour, puis si, un autre tour avant que je puisse. Si je t'attaque, ça va se me redonner? Moi, je pense que c'est... Si, toi, si Sylvain t'ardonne... Je le fais là, là, sur le Silent Arbiter. Après ça, on a un problème au lieu de deux? Ouais. Bon. Fait que ça, Mutavo. Je vais avoir deux tours. Fait que je vais t'attaquer, tu vas perdre trois. Je gagne trois trésors. Je vais bloquer avec le Grim Ironling. Ouais. Fait que là, moi, je meurs pas. Ça fait ça 3. Sauf que. Ouais, c'est ça, ok, c'est correct. Ouais, tu la récupères, ça marche. Fait que là, je vais payer 1 noir. En enlever 5. Ça tombe à 2. Pour faire -5/-5 à la créature. Bon, c'est un problème de moins. Ça. Ouais. Là, Star for Eclipse, la Authority, qui donne Xproof. Ouais. Bon, Alliance, je me suis bien rattrapé. On va voir. Ah non, le... Arch Enemy. Arch Enemy, moi, ça fait ton tour. Arch Enemy, j'ai une carte. Puis, là, je vois. On tape. Et je paye ma carte tout. Et le fou. Ok. Ah ouais, sûr, Guillaume, pour vrai. Hein? Pas sérieux. Hein? C'est là, là? Pourquoi ça? Je dis, c'est pas sérieux? Non, non, mais avec le X-Proof, tantôt, il n'y avait pas X-Proof, là. Non, il y a Totem Armor quand même. C'est, mais c'est pour ça qu'il fallait pas attendre qu'il explose. Ah! Oh. Ah! Oh. Mais ça, vous l'avez jamais dit dans mon ben, argument, on a ça. Mentionné que c'est pas parce que là, c'était pas le timing, que plus tard, ça le serait pas. Mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Trigger de Karn qui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il donne 10 trésors tokens. J'ai juste un DP, mais faut-tu me l'expliquer comme il faut? C'est pas des trésors, c'est moi. C'est des... D'ailleurs, de toute façon, je vais en prendre 7. Il va m'en rester 3. Puis je vais mettre un Cyberman. Oh, c'est Squadron. Bon, c'est vrai qu'il me coûte un de moins. Ça fait quoi? Ouais, quand,
Il n'y a pas deux de mort, mais même ici, avec ces deux-là. Ouais, 6. Mais, mettons, curiosité, là, le Myriad, ça fait quoi avec le Silent Arbiter? Bonne question. Je sais pas. Je vais payer 2 pour le copier. Tu sais qu'il y a des rolling advance, vraiment, il y a juste une carte. Ok, les autres, ok. Je vais le copier. Ça va me faire. Puis j'ai. Il veut tout me tuer. Ouais. Si j'ai bien calculé, là, il est 12, 12, 6. Fait que si t'es capable de faire plus que 12 en une attaque, ça vaut à peine de varger dedans. Parce qu'il gagnera pas plus que 12. Il est 12, ben là. Ouais, il y a beaucoup de protection, mais tu sais, Daybreak donne plus 3, ça lui donne quelque chose comme genre 6, plus 2, puis il y a plus 1 ailleurs, à quelque part, je pense. Je suis pas capable. Il y a son 1 de base. Plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Je vais. Plus un petit 6. Ouais. Je vais prendre les 4 qui me restent ici, puis je vais mettre un. Vedaken Horrery. C'est bon ça. Il dit rien, vu là. Ah, c'est. Non, mais ça fait pas grand-chose. Vedaken Horrery, c'est pas toi qui vais gagner la game. Non, vraiment pas. Ça peut-être. Puis là, ça, j'en ai fait une copie, mais à part ça, là. Fait que c'est grave de faire plus que 12 ou 13 damage, ça va à peine de faire ça dedans. Pour l'instant, là, tu sais, mon Karn, il est 7-7. Ton Karn, il est 7-7. C'est quoi? Non-legendary artifact. Avec ça, les gens vont gagner l'alliance. Il y a une myriad. C'est sûr. Sauf que t'en as pas bien. T'as-tu pigé? Ben, ton 5-5. Ouais, il y a lui. T'as myriad, fait que t'as 5, 12. T'as déjà, tu sais, 7, 5. Myriad, c'est les opponents qui attaquent. Ah, ouais, c'est ça, c'est pas lui. Ben, moi, ça peut me faire piger, ça me dérange pas. Je vais mettre 2 elfes devant, puis je vais piger 2. Après ça, si t'envoies, tu sais, si t'envoies Kenrith 3-3, Joy Ross, Hailey, tu sais, si tu full swing, c'est toi qui aimes. Sauf que si je full swing lui, avec des. Non, des artefacts, je full swing vous autres. Moi, ça, ça te dérange plus ou moins. Prêt à ben, je pense pas que ça me tuer. Si ça me tue pas, moi, je suis prêt à le prendre pour la cause. Ça va me tuer. Ben, j'ai moins de vie que toi. Ouais, sauf que t'as plus de bloqueur, genre. Plus de bloqueur. Lui, il n'y a pas de bloqueur. Trop. Je vais prendre. Attends, mais Legendary Artifact, tu vas faire quoi? Tu vas faire 5, 7, ouais, 9. Je peux pas avoir d'autres réponses. Là. Je vais prendre un bleu, un rouge, puis je vais mettre un Enthusiast Mechanot. C'est une 2-2 flying. Mes artifacts spell coûtent un de moins. Mais c'est surtout pour me faire piger avec. Tes artefacts te coûtent quelque chose encore? Sérieusement, là, son tableau n'a plus coûté grand chose. Mais là, tu sais, lui, je peux rien baisser en Manaka. Je vais mettre mon lien du tour. Shivan Reef. Je vais. Ouais, ça... Mais bon, ça va peut-être être aussi. Mais bon. Fait que là, mes artefacts me coûtent 1, 2, 3, 4 de moins. Fait que je vais prendre un colorless puis je vais mettre un Blinkmock Urn. Au beginning de each player pre-combat phase. Si lui est d'étape, ce joueur-là se crée des colorless pour chaque artefact qu'il contrôle. Okay. Sauf que ça va me faire piger avec Joyra. Cyberman, le Mirage, il trigger-tu sur lui-même aussi, ouais? Oui. Il n'y a pas Ace? Non, il n'y a pas Ace par contre. Il n'y a pas Ace là. Ces deux-là n'ont pas Ace. Ah, mais tu peux le décoquer, tu peux. Ah, ouais, mais quand tu. Ok, fait que ça n'aura pas Ace. Fait que tu vas faire. Si tu swings avec toutes tes non-legendary, c'est 5, 7, 9. 6. 11. 6, je pense pas. Puis elle a. Ah, flying. Daybreak donne pas flying? Parce que oui. Non. Non, j'ai pas flying. Ah, elle vole pas de bord. Elle vole pas. Le flying est safe. Ouais, le flying est safe. Bon, ok, je pense que c'est ça qu'on va. Tu peux pas gagner? Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que tu pourrais avoir 3 triggers de myriade. Peut-être prochain tour avec eux autres en plus. Là. Peut-être. Explique-moi là, myriade, s'il te plaît. C'est, mettons qu'il t'attaque avec. Mais là, c'est les non-legendary artifacts. Ouais. Mettons qu'il t'attaque avec lui. Ça marche pas. Le myriade, ça fait qu'il va créer une copie qui va attaquer Phil, puis une qui va attaquer moi. Mais là, il fait deux fois. C'est des artefacts. Sur toutes les artefacts qui sont pas legendary.
Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Oh, je fais ça ici. Fait ouais, je pense que ça, je vais faire 1, 2 et 3. Je vais taper ça pour trouver lui. Je vais passer là, de sortie. Fait que lui ici, et ces deux-là, ça c'est 6. Il reste-tu un artefact, lui? Non, c'est un shapeshifter. Ah oui, artefact créature, shapeshifter. Non, il a pris son créature type. Mais le type c'est pas artifact creature, c'est shapeshifter. Non? Mais c'est un shapeshifter. Ouais, c'est ça. Ouais, d'après c'est... moi, c'est encore un artefact. D'après moi aussi. Que... Bon, fait qu'on va déclarer l'intention d'attaquer. Personne qui. Juste ça, tu fasses plus que 12. Je vais. Avant ça. Je vais taper un rouge et un bleu. Je vais taper ça puis je vais créer un token de Cyberman Squadron jusqu'à la fin du tour. Oups. C'est ça, on va se faire rentrer dedans solide. Mais c'est ça, je ben, moi j'ai des bloqueurs. Puis là, je vais attaquer avec ça, ça, ça. Et. Tu te mets d'y aller avec lui aussi. Tu le sacrifies pareil. Effectivement. Comme ça. Ok. Fait que là. Tout le monde, tout le monde se prend deux fois la caravane, deux fois chaque famille. Non, deux fois, non, ben, ça dépend c'est qui t'attaque. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ça dépend c'est qui t'attaque. Ah, moi. Ouais. Ben non, parce que tout le monde il déclare l'attaque. Si tu envoies la caravane juste moi, c'est ça. Si tu envoies la caravane sur Ludo, puis le Guillaume vont se manger deux fois la caravane. Ah, ok, je comprends. Trois fois la caravane. Trois fois la caravane? Ouais, ok. Ok, boy. Ah, mais tu gagnes. Bah, pas Phil, je sais pas comment c'est là. En fait, là, ton Cyberman se myriade à l'attaque. Ok, fait qu'il le refait encore. Fait c'est refait encore. Ouf. Moi, je pense que t'attaques juste avec les flying, puis mathématiquement, ça fait un job. Là. Ok. Les mathématiques, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Les mathématiques? Ouais, attends, là, fait que t'aurais ben, quatre... idéalement, là, de la façon que j'aimerais c'est faire ça, c'est que si je vais tout envoyer vers toi. Mais tu devrais tout envoyer vers moi. Parce que j'ai moins de bloqueurs. Ouais. Ok. Fait que les, okay, tu vas envoyer plus ça. De myriades plus, là-bas, puis là-bas. Ok, on y va, Mike. Je vois comme ça. Ok, fait que Ludo va se prendre. C'est moi qui ai le moins de bloqueurs, man. Ouais, mais toi, il veut t'en avoir ouais. plus. Toi, t'as plus de points de vie, toi. C'est ça que t'as plus. Ok. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai trois bloqueurs, là. C'est ça, fait que mettons, je bloque tes trois plus grosses. Ben, en fait, à terre, c'est juste les myriades, les cytis, puis les cultivateurs. Sinon, après ça, ça va tout dans les airs. Fait que la plus grande. Ah, mais la myriade, c'est 7-7, c'est 5-5. Okay, 5-5. Ouais. Commence par les airs, parce que les airs, je pense qu'on peut pas bloquer personne. Ouais, c'est ça. Puis là, on disait 1, 2, 3. Et la myriade. Ouais. Fait que deux fois, ça fait 5. Deux fois. Ça veut dire que c'est... ça veut dire que eux autres, il y a 5 copies de chaque, si j'ai bien compris. Ouais, fait que ce serait 20. 5 fois 4, 20. Ouais, t'as pas pour que ça fasse du mal, faudrait que t'en. 5 fois 4, 20. Là, tu sais. Les flyers, faudrait peut-être que t'en envoyer une chez Phil et une chez nous. Non, mais anyway, tu sais, il y en a 5 là. 5, ça fait 5. Ça fait 20. Fait que ça vous mangez 20. Toutes 20. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est plus d'eau qui mange. Ouais, c'est ça. Fait que serait-tu mieux de splitter les oiseaux? Non, t'es pas de menace. Non, ok, je vais manger 4. Je prends 20. Après ça, à terre. Après ça, à terre. Ouais. Fait que là, t'as cultivateur, caravane, t'as une 5-5. Puis là, vous autres, vous avez 5-5-5. Non, non! Oh, God. OK. 5 chaque. Ils ont toutes pas trample, par contre. Non. Hein? OK. Ils ont toutes pas trample. Okay. On s'en prend 5 chaque, c'est ça? Ouais. Charble Kim. OK, ça... fait que là, t'es correct. Ça, c'est ta plus grosse. Ah, attends, quand Myriad des copies, ça rentre tout sur le battlefield, hein? Oui. OK, fait que j'ai un paquet trigger de Sense Warden, moi. Effectivement. J'ai un méchant paquet trigger. Ah, il est un peu. Chaque fois qu'un. Ah, non, t'as qu'un. Ok, c'est beau, bien sûr. Ok, fait qu'au total, il y a 10 copies de ça qui sont rentrées. Fait que je vais gagner 10. Puis ça s'est copié. Ça, il a fait une copie. On va y aller, on va y aller en ordre de ce que je vois. Ça fait 5 ici. Fait que je vais faire 5, je vais gagner 5. 5 là. Puis ici, on disait 2 autres. Ok.
Bon, c'est comme ça. Okay. Fait que là, la caravane, tu l'avais. T'avais-tu une créature? Ouais, je vais mettre une créature devant la caravane. Fait que tu mets un œuf. Là, il t'en reste 4 autres. Parce que vous en avez 5 vous autres à bloquer. Ok, ben attends. Mais d'abord, je vais mettre 2 elfes. Je vais mettre Jahira. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais mettre les elfes. Je vais mettre Seedborn devant. Puis je mets. Y a quoi d'autre qui va attaquer après? Après ça, t'as 5 Stis. Oui. Mais les Stis, c'est des 1-2 ou c'est exactement ce que lui a? Des 1-2. Ok. Puis après ça, tu vas avoir. Là, celle-là, si t'as. Un petit peu, là, faut pas que je me trompe. Celle-là, elle est là. Ça veut dire que tu en as un autre. T'as un autre Cyberman Squadron, c'est ça, hein? Non, elles ont aussi 6 milliards. Ouais. T'en as 5. Fait que tu vas avoir 5 encore. Comme ça, on a calculé pour 2, right? Mais ça serait 3. C'est ça. Ça se met trop de plus dans le fond, ça serait 5 Cybermen aussi. Ouais, c'est compliqué. Wow. Chaque Cyberman qui attaque se myriade deux fois. Sauf que eux autres, mais eux autres, ils le font aussi. Attends un peu, c'est moi, c'est ça, me fait. Ouais. Rendu infini. Ben, attends un peu. Ben, en fait, oui, hein. Si ben, on va finir le coup de caravane. Je pense que juste les flying font un job, c'est vrai, ça va. Ok. Fait que. Un Cyberman qui attaque va générer. Fait que ton premier Cyberman attaque, il fait ouais. Deux autres Cybermen. Qui attaquent eux autres aussi. Qui attaquent eux autres aussi. Fait que 4, fait 2. Eux autres qui attaquent. Il y en a 3 qui attaquent. Ton premier Cyberman il attaque, il en fait 2. Ouais. Les deux, ils attaquent, ils en font chacun un. OK. Ils en font chacun un. OK, fait que c'est pour ça qu'ils sortent, il y en a encore plus. Ceux-là, ils attaquent. OK. Moi, j'étais à quoi? J'étais à 24 avant. Je pense que c'est littéralement infinite. Ben oui, parce que chaque Cyberman va se copier constamment. Il va se myriader. OK. Remettons Cyberman au milieu. C'est là, hein? Ouais. Non, oh, you may create. C'est là que ça finit. Il n'est pas obligé de le créer. Ouais, quand il va être tanné. Ok, c'est bon. La copie de Cyberman est attacking, elle n'attaque pas. Ça, c'est important. Myriad, quand la créature avec Myriad attaque à Strigger, les nouvelles copies sont déjà attaquantes. Ok, c'est ça. Sinon, Myriad, ça attaque. Non, c'est ça. Ok, bon, c'est moins épique. Ah, mais... fait que là, on a 3 Cybermen. 3 qui attaquent. C'est 3 copies de chaque créature non-artefact qui attaque Guillaume. Ok. C'est ça. Oh, fait que ça change la donne, de là. Ouais. Ok, attends, on veut-tu repartir du début? Moi, j'étais à 24, je pense. Ludo, t'es à 26. Ouais, moi, j'étais à 24, je pense, c'est ça? Oui, tu perdais 20, tu commençais à 4. Ouais, okay. Moi, j'étais à 40. Ludo, me semble que t'étais à 26, ça. Ouais. J'étais à 40. Guillaume, 40. Ouais, parce que j'ai juste mangé 2 birds. Ouais, ok. Fait que là. T'attaques avec ton Cyberman. Ouais. Qui lui m'en fait. Il te fait. Deux autres qui attaquent. Deux autres Cybermen. Deux autres qui attaquent. Ok. Fait que je vais gagner 2. Visuellement. Ouais. Bon. Ok. Il en fait 3. Ouais. Il en fait 3. T'as 3 Cybermen. Ok. Fait que je gagne 3. Bon. Fait que là, on gère eux autres. Ok. Ça veut dire que. Eux autres, ça veut dire que c'est juste lui qui donne Myriad? Non, c'est les 3. Non, il donne tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et donc, les oiseaux. Fait que les oiseaux, t'aurais 2 fois... Tu fais 3 check. Ça fait 3 oiseaux. Ben, 2 oiseaux de plus. Par Cyberman. Ça fait 2 oiseaux de plus par Cyberman. Fait que là, t'as 2 oiseaux. 3, 4, 5, 6. T'en as 6, fait que x2, fait que ça fait 12, ça fait 24. Ouais. Fait que moi je gagne 24 points de vie. Tu gagnes 24? Ouais, je gagne 1 par créature qui rentre sur la field. Ok. Bon, okay. Fait que là, puis après là, ça, tout le monde mange. Ouais, puis après ça, on mange 24. Ouais. Non. Oui? Attends. Mais comment tu fais 24? Parce que je... 24. Non, c'est 12. Non, c'est dans mes points de vie que. Ah ouais, c'est ça. Que moi je m'en prends 6. Et des créatures qui attaquent lui. Fait que tu manges 12. Oh, c'est que je me mange 12. Ok, fait que tout le monde se prend 12. Ben, moi je me prends 12. Guillaume prend 12 aussi. Moi je prends 4. Parce qu'il y en a 6, c'est ça? Ouais. Il y en a 6 là, mais il y en a 6 là aussi. Il y en a 6 qui attaquent Phil, 6 qui attaquent Guillaume.
OK. Ouais. Okay. Sauf qu'il y a un autre Joyra qui attaquait aussi. Fait que lui ici, il en fait 6. Fait qu'il en mange 12 encore. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y en a deux des Joyra familiers, vraiment. Ouais, fait qu'on se prend, 24. Ouais, c'est ça. Ça, du coup, t'es correct. Oh, oui, c'est ça, excusez. Ouais. Fait que tu prends 12 de plus. Okay. Fait que ça, c'est correct pour ça. Ouais. Ludo, t'es correct pour ça. Ah, tu vas faire à cette heure, ça, c'est une comme ça. Ouais. Puis elle est là. On a 3 sur Phil, 3 sur Guillaume. Ok, c'est ça. Moi, je gagne 3. Je gagne 6. Parce qu'il va en avoir 6 qui vont rentrer. Ouais. Puis 3 sur moi, 3 sur Guillaume. C'est ça. Ok, là, ça par contre. 3-5-5, 3-5-5 qui vont là. Ouais. Ok, sauf que là, moi, m'amener, je bloque aussi. Hein. Ouais. C'est ouais. Ça la plus grosse que tu vas m'envoyer. Oui. Ouais, ça ou Cyberman Squadron. Je vais en bloquer une, fait que je gagne. 5. Tu gagnes 12. Puis ça veut dire que je m'en prends 2. Ça, tu vas gagner 6. Je gagne 2 points de vie. C'est ça. Good. Ok. Moi, j'en ai 3 qui s'en viennent. Je vais mettre Seedborn en face d'un. Puis 2 elfes. Devant ben un de chaque. Okay. Je vais tous les champer dans le fond. Ça, ça meurt. Ça, ça meurt aussi. Les bottines fall off. Tu peux payer pour piger si tu veux. Ouais, je vais payer 2. Je vais payer 2 puis j'ai 2. Parce qu'avant ça, c'est quoi? C'est des cyber. Ça va être... Ouais, il va y avoir les 6 puis après ça, il va y avoir les 6 aussi. Okay, ouais, c'est les 6 bon. Sont pas trop. Non, c'est ça, c'est pas trop épeurant. Non. Ok, fait que ça, je vais piger 2. Faut que je tape 2 aussi. Fait que là, je regarde le top card de Kelvin Kors. C'est 6 qui va là. Le 6. Ok, ouais, c'est 6. 1, 2. Ok. Juste 1. Fait que t'as. Quoi? Super 2. Pour 6? Non, t'as payé des. Oui, j'allais taper, j'allais pris. Fait que là, ouais. Vous autres, vous avez 3 6, c'est ça? Ouais, 3 6 là. Fait que ça va être encore gagner 6 points de vie. Moi, je perds 3. Toi, tu perds 3. Je vais y laisser passer, fait que je vais perdre 3. Ok. Puis ah, là... attends, c'est pas vrai. Je vais bloquer une, c'est des 1-2, hein? Ouais. Ok, j'en bloque 3. J'ai bloqué les 3, en fait. C'est des 5 qui vont arriver. Ouais. Ouais. Puis là, c'est les Cybermen. Ouais. Qui arrivent. Ça, les Cybermen, on les a déjà comptés dans la vie. Ouais. Ça, Cybermen, tu en as un qui va là. Moi, je vais le bloquer, puis je vais jouer ça. Fait qu'il revient avec un Wicked Roll. Puis tu en as un autre qui allait là aussi. Puis après ça, t'as les copies. Là, c'était. Il n'y avait juste 3, là. Il n'y a pas de. J'en perds 5. Il y en a tout. Ben, 3 sur Phil, 3 sur Bill. Ok, c'est ça. Ok. Puis c'est des 5-5? Ouais. Ok. Fait que je. Fait que je perds 15. Ouais. Je perds 15. Si moi, j'en mange 2. Il y a 2, là. Il y a 2 Cybermen? Ouais. J'avais fait une copie, moi. Ouais. Avec. Fait qu'il y a ça, si ça mange plus. Ouais, c'est 4 Cybermen qui attaquent. Ben, c'est 20. Ok. C'est un 5 de plus, finalement. Ouais. Bon, je vais. Right. Il n'y a plus d'autres attackers, right? Non. Ok, c'est ça. C'est cool. Nice. C'était une comme ça. C'est ça, mon ami. Ouais. Ok, ça, c'est là, ça, c'est là. Puis quoi, t'avais les mains. J'ai réussi mon mandat. Ça, c'est la carte de tout à l'heure. Regarde, il y en a une flash, là. Qui donne la protection de. D'une couleur. D'une couleur, mais colorless, pas une couleur. C'est vrai. Ah, il m'attaque avec un colorless. Tu lèves tout un tour, mais c'est la fin du tour. Tout à l'heure, là, quand tu m'as attaqué avec ta colorless, là. Ouais, d'avoir la protection de la couleur que je veux. Ah ouais, ça c'est vraiment à part. Ok. Et tu notes à vous-même, il vous reste un tour. Ouais. Ok, on va aller en force d'attaque. À moins que vous fassiez quelque chose. Sylvain, il a fait. On va aller en force d'attaque. Sylvain. Ah non, attends. Shit. Toi, t'as acheté une créature, non? C'est quoi ça? Oui. T'as acheté une créature? J'ai jeté. T'as juste une créature? Ouais. Ok, la triche chez vous. Je t'annonce qu'il t'a sauvé la vie, man. Prochain tour, c'était terminé. Fait que je vais faire 2 elfes. Ok, puis là c'est l'heure des mathématiques avancées. Ben, plus que t'en as encore. Ah, qu'est-ce que. Ok. C'était pas mal, chaud. T'as pas une souris? C'est quoi, tu peux les pomper? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À cause de ça, 17, 18, 19, 20. 21. Puis après ça, un pour chaque elfe. Fait que ça fait 21, 22. Je sais, c'est quoi. 23, 24, 25, 26. Moins 2 pour le cost. Hein, c'est malheureux ça. Moins 1, elle m'a fait awakening. Moins 1, elle m'a fait awakening. Ouais. Fait qu'on t'a 23. Il m'en manque 5. Minimum 5.
Même 5. Il reste 26, c'est quoi? Exsanguinate? Ouais, ça va être un exsanguinate pour tout ce que je viens de compter, là. Ok. Pour me donner la game, finalement. Ben, t'as peu, là. T'as peu. Ben, moi, je pense. Il va quand même pas être capable de faire autour de comme 50 damage. Ah, parce que tu gagnes des vies, toi, hein? Ben, ouais, oui, je gagne toute celle-là à le dos. Ouais, quand le nom Myriad, il fait pas mal moins. Ouais, ok. Ouais, mais là, il y a plus de Myriad. Non, c'est ça. Il y a plus de. Il n'y a plus d'opponent. Ok, fait qu'on était à quoi? On était à 25, on a dit? Non. 23? 20... T'étais à 23, il me reste à 5. Ouais. Ok, c'est ça. 23. Fait que 23, fait que je vais gagner 46. Si ben, le dos, c'est pas mal ça. Fait que tu perds 23, moi je gagne 46. 20 à 5. Je suis surtout à l'œil d'aller manger. Bon, fait que Sylvain, t'as une attaque pour faire 63 de dégâts. Ouais, lâche-toi, là. Je suis capable de jouer. Pourquoi une attaque? Tu m'as refait 5 points de dommage au prochain tour? Ça va faire du bien. J'ai de la créature en temps. Ouais, c'est ça, t'as beaucoup de créatures, hein. On va voir, on va voir. Je peux rien. On va voir. Le Kenrit s'en va. Puis Paddy m'en revient, non? Ouais. Kenrit là-bas. Vas-y. Je vais essayer. Juste avec dans le milieu, Phil. Quoi? Avec Sanguinet. Ah oui, oui, c'est ça. Bon, moi je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, je pigeais du lème, 10, 11. Ouais. 12. Mais je pigeais une carte partout, puis c'était du lème. Je fais 12 avec lui. Puis, ben oui, j'en avais du lème, mon gars. Ah ouais, je fais 12 avec lui. J'ai vu dans ta main. Fait que j'ai 24 que l'on laisse manier. Ça aurait fait une différence, mais j'ai joué mon land à chaque tour. Tout le temps. Et je pige pas tant, puis là, c'est pas vrai. C'était même à ça, j'étais pas capable de viser. Ça, c'était mort avant. Bon, c'est lui, tu vas piger une carte avec lui. Mais fallait que tu recaches ton commandé. Ouais, mais c'est ça. Et là, je vais piger ma carte du tour. Fallait qu'un qui se mette tout contre toi. Ça, c'est les struggles du Strong Deck. Là. C'est qu'à un moment donné, quand tu deviens trop un problème. Ouais, oui. C'est trop parfaitement. Je vais prendre. Non, c'est ça. Je vais prendre un rouge. Je vais mettre un Slow Bad Goblin. Je peux sacrifier un artefact. Un target artefact gagne à distribuer jusqu'à la fin du tour. Ça va trigger Joyra à piger. Je vais mettre un island pour mon land du tour. Je vais payer. C'est la même plan. Un rouge plus 4 colorless, même pas, c'est moins que ça. Hein. C'est 1, 2, 3, 4 avec l'enthousiasme. 4 de moins. Fait que finalement, je paye juste un rouge. Puis je vais mettre un Arfnil Home of Bounty. Je peux discarter une carte, j'exile le top 2 cartes de ma librairie. Mon Dieu, ben, la première fois, je joue ça, je joue ce côté-là. Ouais, ben, c'est, ça va me permettre de. Moi aussi, mais ça va me permettre de me créer de la main un peu. C'est un legendary artifact. Fait que ça va intégrer Joyra. Je vais payer un bleu. Là, je peux pas le prendre là, fait que je vais le prendre d'ici. Ah non, c'est là, ça coûte moins encore. Merci. Un de moins. Fait que ça va juste me coûter un bleu plus un. Puis je vais mettre ça, un beau cadeau. Emery, Locker of the Lock. Fait que ça dispelle cost un de moins pour chez les tactifs que je contrôle. Alors, j'aurais pu payer un de moins. Quand il rentre sur Battlefield, je mets le top 4 de ma librairie. C'est dans mon graveyard. Et je peux le taper pour choisir un artefact dans mon graveyard. Et je peux le caster. Fait que je vais révéler 4 premières.
Tu peux venir sur mon tapis. Hein. Qui est une island. C'est ça, il y a ça. Ça te fait-tu revivre si moi sur ton tapis? Ouais, c'est ça. T'as l'air avec des enchantements. Mais... C'est ça. Ça. Bon, tout le monde connaît. Le Master Transmuter. Je peux retourner à ta. Ok. Ça, ça va être au prochain tour. Dans le fond, t'es en train de miller. Ben, j'essaie de me trouver des réponses. Quand t'aimerais à rentrer, je vais discarter une carte avec Arfnel. Puis je vais exiler le top 2 cartes. Et je peux les jouer ce tour-ci. Il y a un tas de vaisselle. Et un Drafna. Ça, c'est. J'ai besoin de target artifact dans mes mains. Je peux copier un target artifact spell que je contrôle. Ça, c'est pas mauvais, ça. Ils vont coûter juste un bleu. Fait que je vais rentrer ça. Regarde, je vais discarter une carte avec Arfnel. Je vais discarter un land. Je vais exiler un land. Deux land. Je vais prendre deux ici, descendre à 9. Caster un tas de vaisselle. C'est gratuit pour un tas de vaisselle. Ah ouais, c'est grave. Ça va être égaré. Il y a tellement d'affaires. Joyra qui va me faire piger. Je trouve un moyen de le pigner. Il y en a un, il faut que tu continues à creuser. Ouais, c'est... Ah, ok, ouais. Mais je pense que j'ai déjà une petite idée pareille. Bon, ça me coûte 1, 2, 3 moins. Fait que je vais rentrer pour 3, 1. Sculpting Steel, je vais copier Duplicant. Puis, je vais payer 2 ici pour copier ça. On mettrait-tu Sculpting au milieu, s'il vous plaît? Oui, merci. Duplicant, c'est une créature? Ah, c'est pas une créature. Non, tu fais. Non, mais non, Duplicant, en tant que tel, la carte, c'est une créature. Ouais. Comment? Sculpting, t'as coûté rien. Non, c'est ça. Mais je voulais payer 2 pour le copier. Ah, ouais. Ouais. Okay. Fait que Duplicant, c'est un artifact creature. Ouais. Ok, puis tu le copies, fais-je rien d'eux. Fait que là, je vais exiler 2 créatures. Je vais exiler la Trill. La Trill à Shroud. C'est sûr que ça va être elle. Puis elle. Ça c'est à toi, ça, Star? Non, en fait, j'ai ces deux copies-là. Si ça s'en va ou l'autre s'en va, okay. Les autres vont partir. Je regarde Jaira pour Sculpting Steel. Deux fois? Cast une fois, l'autre une copie. Ok. Je vais prendre. Ça ne coûte rien, fait que je vais mettre un Arcane Signé. Trigger de Jaira. Tu es capable de trouver un bout de ça? Je vais. Discarter. Chief Engineer avec ça pour exiler le top 2. Le Cyber Chip. Puis, ça, Cyber Chip. Il me coûte 3 de moins, fait que je vais prendre 3 ici. Ça va être 4. Je vais rentrer ça. Je ne sais même plus où il est. Au milieu. Ah, au milieu. Ouais, je t'avais de te les laisser là. Cyber Chip Flying 8-8. Deal Combat Damage 1 player. Je mets le top 2 cartes. Sur le battlefield, dans le 2 contrôle, c'est des 2-2 Cybermen. Hein? Les Cybermen. Si. Ça va trigger ça. C'est incroyable. Je vais prendre les 4 derniers qui me restent ici. C'est un Critter Hoof dans ce deck-là? Ah, non, c'est. Non, mais il y a quoi qui. Bon, c'est, finalement, c'est juste 3. Je vais mettre un Weatherlight. Ouais, c'est ça, j'ai juste pris un aussi. Ça, Cybership, c'est Dr. Ça Wood. Ça va, tu vois. Ouais. Hey, boy. Donc, ok, je vais prendre les 3, moins 3 qui me restent. Je vais rentrer ça. Je fais un piché quoi, je fais juste. Là, je vais regarder le battlefield, je crée 2-2 white à start, je pense que j'ai dit ça en plus. Et whenever, si lui attaque. C'est grand sur mon flingue. Fait qu'on s'entend qu'il se tue pas au prochain tour. Là. Ouais, mais. C'est ça, fait que t'as pas gagné une vie dans le fond.
Non, c'est ça, il gagne. Puis là, tu en gagnes. Non, c'est moi. Non, ouais, mais c'est toi qui gagne. C'est whenever... qui... Another... Ok, c'est moi qui en gagne. Ouais. Ok, depuis tantôt, je manque mes triggers de ça. Mais ouais. Là, tu en gagnes deux pour eux autres. Ouais, mais là, ok, non, ça c'est un véhicule, ça c'est un véhicule, ça c'est un véhicule. Non, c'est, ah, c'est pas rentré d'autres. Fait qu'on a juste gagné deux. Là, je pige à cause de ça. Je vais en prendre trois ici, même pas, ça ne coûte rien. Je vais mettre un libérateur. Je vais mettre ça. Je vais gagner une vie. Je fais une carte. Je fais une carte. Je vais mettre un beau petit face. Je vais carter un land. Exiler deux. C'est le Cyber Drive Awakening que tu cherches. C'est et là, je viens de pogner le fond d'après moi. Non, ok, il me reste ça ici. Je vais prendre un c'est bleu. Ah, des lands, c'est pas ça qui me manque. Ah, ok, ben c'est, oui, c'est dégénéré. Là, tu vois, ça, c'est Exile. Je vais mettre, tu vas jouer ça. Et un petit chip. Ce qui va me permettre d'épuiser. C'est lui que le top 4 est à livrer. Ouais. Puis je peux caster les spells. Puis play. S'il est attaché à une grasure. S'il est attaché. Ouais. Ouais, je pense que je vais piger et je vais l'attacher après. Je vais attendre encore quand même un peu. Je vais pas prendre 3 parce que ça me coûte rien. Puis je vais jouer un Shimmer Mirror. Je vais gagner un point de vie. Ça va piger. Ouais. Je vais pas payer rien encore. Mettre un autre mirror. Et un. J'ai. Dans le fond, surtout que tu as un lien, tu le discartes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais demander quoi. Je vais prendre deux. Un bleu, un blanc ici. J'étais à 9 et je vais tomber à 7. Je vais jouer un Herald of Kozilek. Ouais, mes colorless spells coûte un de moins. Je vais gagner un point de vie. Je vais piger. Je vais remettre. Un autre mire. Ah. Une vie. Je vais m'amener, je vais tomber dessus. Ton tour d'amnésie. Je vais prendre 4. Non, même pas. Là, je disais que c'est 3. Plus colorless spell qui me coûte 1 de moins. Fait que Unwinding Clock ne coûte rien. J'en tape tous mes artefacts à chaque untap step. Puis il peut flash. Je peux flasher. Fait que là, je pige. Avec j'ai pogné un land, fait que je vais discarter un land pour exiler deux cartes. Yeah. J'ai Riven Titan qui coûte 7. C'est Tadan qui a monté le deck? C'est cher. Non, c'est moi. Non, okay. C'est cher. Là, il me coûtait 4 de moins. Fait que ça me prend 3 ici. C'est quoi la carte qu'il me faut, moi, que je cherche quoi chercher? Je tombe à 4. Ouais, Riven Titan. Une 10-10 protection from Manovali. T'as-tu de l'endroit quelque part là-dedans? Quelqu'un qui fait ça. Oui, je pense qu'il y a des bottes. Fait que ça, ça me demande le plus 1. Je pige 1. Et j'ai de pogner. La fin. Cyber Drive Awakener? Non. Un autre fin? J'ai de pogner la fin de. Je peux plus. Ah non, je peux discarter, c'est vrai. Je peux discarter le lèvre. C'est le Kabu Tower. Pour exiler deux cartes. Oh, là, ça a frappé la fin. Je peux jouer ça. Ouais, là j'ai un pognon à la fin. The Beginning of Cupkey, puis qu'on trouve un artefact, ça me met un. Je vais quand même le mettre. Je vais prendre les 4 qui restent ici. Je vais mettre ça aussi. Ça c'est Exile. Ah oh, ben, tu vas faire du combat de damage, je vois. The Beginning of Whenever one or more artifact créature in control de le combat de damage, je dois encore. Ah, bon, peut-être voir. Peux-tu en faire ça simple, Sylvain? Oui, vas-y. Swing pas. Parce qu'il y avait ça tout vol, right? De ton bord à cause de tes véhicules. Là, là. À cause de tes véhicules? Non. Ouais, il y en a un qui fait que tout vol. T'as de quoi de tout vol? Ah ouais, whenever un ship attaque, attaquer une créature, contrôle, gun flying. Ouais, okay. C'est ça, au prochain tour. Ok. Moi, j'ai pratiquement pas de draw. Si je pogne rien, je. Skip. Ouais. Des notes pour mon deck. Ah, ça fait. Ah, non, c'est ça. En fait, c'est que si Sylvain attaque, il pige. C'est vrai, il n'y a pas de temps de dans l'été. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, c'est vrai, j'aurais pu piger par exemple. Ouais. J'aurais pas attaqué puis piger. Mais si, puis ici. On va le voir là. Ouais, c'est avec le même. Tout ça ici, ça. Ouais, mais je faisais pas 66. Hein. 5, ça me prend la solution miracle. Là. 15. Je vais interne, mais après ça, là, c'est top 4. Tout. Ouais, mais tu en tapais tout pareil. Ouais, mais sérieusement, c'est pas le cas.
C'est pas le cas, c'est Rigodon, c'est... Ben... Attends, c'est parce que là, il pigeait plus. Ah, ok, ok, ok. Je pensais que c'était la fin. Ben, j'aurais pu continuer, là, mais... Ok, ça... Penses-tu que t'en auras assez? Ça, c'est le cast. Okay. Les spells coûtent un de moins à caster, ouais. Right? Ouais. Ok. Je suis fin, hein? Fait que ça, ça va être kicked 1, kicked 2. Tu veux quand il me fasse 13? Ouais, ok. Fait que je l'ai kické deux fois, fait que rentre avec 2 plus 1 plus 1. Trigger le Mental Bond. Puis j'ai une carte. Je regarde top carte avec Kevin Chorus. Je pourrais tirer à la game. Mais je vais pas le faire. Non, je suis même pas obligé. Bon, GG, t'as gagné. Hey! Go, yo, boy, c'est le job. Yes. Job. Ok! C'est J'ai mal à la tête, man. C'est pas calé. T'en écouteras mon podcast, là. Je t'ai dit que j'avais pas ça sur des decks compliqués. C'est toi qui voulais jouer, lui. Je pensais pas qu'il était compliqué de même. Mais t'as l'air, j'avais le Dark Horn. Quand tu te mets à copier tes affaires, j'aurais gagné, mais ça avait une différence, c'est sûr.